Vous savez qui c'est, lui? Non, enfin, vous savez probablement, il n'est pas très connu, enfin, si, mais pas à ce point-là. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Non, allez-y, bah, vous pouvez dire des bêtises, de toute façon, vous allez dire des bêtises. Une ampoule. Une ampoule, là. Ouais. Alors lui, c'est un physicien connu, hein. Donc c'est un physicien qui est en train de changer sa lampe, c'est ça? La lampe de son bureau, ouais. De sa voiture. Non. Là, ça pourrait, ouais, c'est vrai, ça pourrait. D'autres idées? Donc là, c'est un gars, il a révolutionné tout. De l'optique, de notre vie quotidienne. De... Je pense que vous ne connaissez pas son nom, et pourtant, il a découvert un truc le plus important aujourd'hui. Et il le tient dans la main. Et c'est pas le phare de voiture. Ok? On va parler de ça aussi. Vous avez vu ce film? Il y en a qui l'ont vu? Est-ce que vous savez quel est le personnage, pas l'acteur, mais le personnage qui est joué par le personnage, qui est joué par l'acteur? Oui. Tu l'as dit, t'as dit quelque chose? Non, je dis c'est quelqu'un de vrai. Ok, oui, c'est effectivement quelqu'un de vrai. Ça parle de quoi ce film? C'est un aviateur. Un inventeur. Un inventeur, oui. Oui, oui. C'est pas créer l'avion, un avion immense. C'est ça, ouais, c'est ça. Et effectivement, c'est un gars, un entrepreneur, créateur, inventeur, qui veut créer un avion super long, etc. C'est Howard Hughes, le nom du gars. Ok, on va en parler aussi. Là, vous me demandez ce qui se passe. Hein. Non, mais c'est juste, on va revenir sur chacune de ces images. Je veux voir s'il y a des choses qui évoquent quelque chose pour vous. C'est les mêmes? Non, c'est pas les mêmes du tout. Et à votre avis, que est en train de faire ce gars? Est-ce qu'à votre avis c'est un gars connu pour autre chose que faire le pitre? C'est un prix Nobel. Hein. Ok, bon, on va y revenir. Lui aussi c'est un gars important, malgré les apparences. Ok, on va parler aujourd'hui de photons et de lasers. Je vais reprendre l'histoire de l'optique. Là où je l'avais laissé une des fois précédentes, quand j'avais fait le survol rapide, je m'étais arrêté à 1900. En disant, bah, après, il se passe plein de choses, et aujourd'hui, ce qu'on va faire. Alors, donc, en gros, ça va être. Je vais vous parler de l'optique au XXe siècle. Donc, ça, c'est un vaste sujet, je n'aurai absolument pas le temps de faire ça en détail, tout ça. Donc, ce sur quoi j'ai choisi d'axer la présentation aujourd'hui, c'est sur le laser et son invention. Et on va voir que c'est extrêmement relié à la notion de photon et quelques aspects de mécanique quantique. Mais je ne parlerai pas de l'histoire de la mécanique en soi. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de laser, essentiellement l'histoire du laser. J'avais terminé un des cours précédents par ça, en vous disant, bah, voilà, il y en a qui ont l'impression que la science en 1900 est finie, l'optique en particulier, mais la science en général. Je vous avais montré ces deux citations de Michelson. Donc Michelson qui disait en 1894, les lois fondamentales les plus importantes de la science, des sciences physiques, ont été découvertes. Et elles sont maintenant si fermement établies que la possibilité qu'elles soient remplacées par d'autres grâce à de nouvelles découvertes est vraiment très éloignée. Bon. Et donc ce qu'on va chercher, c'est les sixièmes places décimales, les sixièmes chiffres après la virgule. Et Lord Kelvin, en 1900, disait quelque chose de pas très différent. Il n'y a plus rien à découvrir en physique. Tout ce qui reste, c'est des mesures de plus en plus précises. En 1900, bah, il va se passer pas mal de choses qui vont contredire les deux grenodomes qui sont là. Vous pouvez me dire le nom des deux disciplines, des deux parties de la science qui vont, au début du XXe siècle, révolutionner la physique. Ouais, alors il y a la relativité, effectivement, c'en est une. Et l'autre, la mécanique quantique. Alors, pour comprendre ce qui va se passer au début du XXe siècle, il faut revenir un tout petit peu avant la date charnière que je proposais, en 1887. Donc, à cette époque, donc, vous vous rappelez, ça correspond au moment où, dans l'histoire que je vous ai déjà racontée, Maxwell a déjà écrit les équations qui portent son nom. On sait qu'il avait prédit l'existence des ondes électromagnétiques. Et Hertz était une des personnes, la personne essentiellement, qui travaillait sur ces ondes électromagnétiques, qui essayait de les produire, puis ensuite de les détecter, et puis de voir leurs propriétés. Donc Hertz, il a fait tout un tas d'expériences avec les ondes électromagnétiques diverses et variées.
Et au cours de ses expériences, donc, il a relevé un effet qui s'appelle l'effet photoélectrique, qui est le suivant. Il a remarqué que quand on éclaire un métal avec de la lumière, dans certaines conditions, des particules, qu'on appelle aujourd'hui des électrons, il y a quelque chose qui est éjecté du métal. Donc aujourd'hui, on dirait, quand on éclaire un métal, dans certaines conditions, des électrons sont éjectés du métal. Voilà. Donc ça, c'est l'effet photoélectrique, et c'est un effet qui n'était pas très bien compris. On peut trouver quelques hypothèses assez naturelles pour ça. On peut se dire, par exemple, l'onde électromagnétique arrive sur les électrons qui sont dans le milieu, ça leur apporte de l'énergie, puis ça les éjecte, voilà, comme du billard, ou quoi, voilà, ça donne de l'énergie, donc ils arrivent comme ça à sortir. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, et en particulier il y a quelque chose qu'on n'arrivait vraiment pas à comprendre du tout, c'est la propriété suivante. Donc quand on éclaire une plaque de métal avec une onde lumineuse qui a une fréquence donnée, on s'aperçoit que l'effet ne se produit que si la fréquence est supérieure à une certaine fréquence seuil. Les basses fréquences, en gros, une longueur d'onde dans le rouge, ça va pas marcher, dans le bleu, ça va marcher, et il y a une couleur pour laquelle, pour chaque métal, effectivement, l'effet commence à se produire. Et le truc vraiment étonnant, c'est que sous le seuil, par exemple, si je prends de la lumière rouge, qui n'est pas assez énergique, qui n'a pas une fréquence suffisante pour effectivement éjecter les électrons, on s'aperçoit que même si on augmente l'intensité lumineuse, je prends une source qui est 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus intense, ça ne change rien, les électrons ne partent pas. Donc, et par contre, si on prend de la lumière bleue, là ça marche, et même si on prend un tout petit peu, ben, ça marche quand même, ça arrive à faire éjecter les électrons. Donc ce n'est pas juste une question de la quantité de lumière qu'on apporte, c'est lié de façon assez subtile à la fréquence de la lumière qu'on utilise pour ça. Et donc cette propriété-là, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, et en 1887, et pendant pendant 20 ans, effectivement, on ne comprend pas ça. Un autre truc qui pose un petit problème à cette époque-là, c'est ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Donc on savait déjà à l'époque, hein, que quand on porte un corps à une certaine température, quand on le chauffe, bah, il émet quelque chose. On sait maintenant que c'est des ondes électromagnétiques, on savait aussi à l'époque. En particulier, si on chauffe vraiment beaucoup, ça émet de la lumière. On dit chauffer à blanc. Voilà, si on chauffe un truc à plusieurs milliers de degrés, ben, il va devenir tout blanc et extrêmement brillant. Voilà. C'est assez difficile de décrire exactement en détail l'émission et l'absorption des corps, et on fait appel à ce qu'on appelle un corps noir. C'est un modèle d'objets physiques. Un corps noir, c'est quelque chose qui absorbe absolument tout ce qu'on lui envoie. Voilà. Un corps noir, c'est un truc qui absorbe. Et du coup, les gens se sont aperçus à l'époque que ça devait aussi réémettre du rayonnement thermique. Et ce corps noir, ça a été étudié de manière théorique. Et dans les années 1900-1905, Rayleigh et Jeans, deux savants de l'époque, étudient le rayonnement du corps noir par des arguments classiques. Ils comprennent que si un corps chauffé rayonne, c'est parce qu'à l'intérieur, les particules qui composent ce corps sont en train de bouger dans tous les sens. Là, la température, c'est lié à l'agitation thermique. Or, ces particules qui constituent le corps noir sont chargées, c'est des électrons, aujourd'hui des électrons, et puis c'est des noyaux atomiques. Voilà, donc c'est des charges qui sont en mouvement. Des charges en mouvement, ça rayonne des ondes électromagnétiques, et c'est ça qu'on voit à l'extérieur. Donc, en faisant une analyse vraiment poussée de ça, de la manière dont, en calculant le rayonnement électromagnétique qui est émis par le corps dont les molécules sont en train de bouger, et bien ils décrivent comme ça l'énergie qui doit être émise en fonction de la fréquence. En fait, ils arrivent à écrire le spectre du rayonnement émis, hein, et ils trouvent quelque chose qui est vraiment bizarre. Donc, s'ils représentent l'intensité lumineuse en fonction de la fréquence, leur calcul leur indique la courbe bleue qui est ici. Ce qui est monstrueux. En physique, on n'a pas du tout envie de ça, et on n'y croit pas, et on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ? Parce que on voit que la courbe ici, elle est en puissance, elle dépend comme la puissance 4 de la fréquence, et donc ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et donc plus on voit des fréquences élevées, plus l'intensité est élevée. Et si on s'intéresse à l'intensité totale émise par un corps à toutes les fréquences, ben, il faudrait intégrer ça sur toutes les fréquences, et on a quelque chose qui diverge, donc ça donne une énergie qui est infinie. L'énergie totale, une fois qu'on connaît le spectre, l'énergie totale associée au spectre, c'est l'air qui se situe sous la courbe, en fait, sous le spectre. Voilà, ce truc-là, si vous continuez comme ça, ben, en dessous, ça émet infini, et ça va. Donc le calcul de la mécanique classique
indique que un corps noir devrait rayonner une énergie infinie. Ce qui est débile, hein, ce qui veut dire qu'il y a une hypothèse au départ qui n'est pas la bonne. Et ce n'est pas une question d'un mauvais calcul, hein, plusieurs gens ont repris leur calcul, ils ne se sont pas trompés spécialement, ils ont correctement appliqué les lois de la mécanique classique, et donc ça donne ce résultat aberrant. Donc ça, c'est connu sous le terme de catastrophe ultraviolette. Catastrophe parce que ça part en sucette, et ultraviolette parce que c'est aux hautes fréquences que le problème se pose. C'est RFS en 1911 qui a proposé ce nom. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas non plus du tout à l'époque. Et alors, une solution commune aux deux problèmes que je viens d'évoquer, là, le rayonnement du corps noir et l'effet photoélectrique, ça va être l'introduction d'une particule nouvelle qu'on appelle le photon. La première pierre à l'édifice que je vais présenter maintenant est portée par Max Planck en 1900. Max Planck s'intéresse au rayonnement du corps noir. D'ailleurs, vous avez déjà en tête probablement le mot loi de Planck. Voilà, la loi de Planck, c'est lui qui l'a fait, c'est ce dont je vais parler tout de suite. Donc Planck essaye de retrouver la distribution, le flux émis en fonction de la fréquence, avec les arguments classiques de la même façon que ce qu'a fait Rayleigh-Jeans. Max Planck connaissait aussi la courbe expérimentale du spectre d'un corps noir, parce que c'est quelque chose qu'on peut mesurer effectivement. J'ai montré qu'à la courbe partait comme ça là-haut, et expérimentalement ça donne plutôt quelque chose comme ça, donc il connaissait ça, il savait à peu près la tête que ça avait. Dans le calcul classique qui permet de calculer les propriétés du rayonnement émis par un corps noir, comme l'avaient fait Rayleigh et Jeans, on modélise la matière par un ensemble d'oscillateurs. Les atomes qui constituent la matière peuvent osciller. Et il se trouve que pour calculer les propriétés du rayonnement émis, il faut faire une intégrale mathématiquement sur l'ensemble des fréquences auxquelles peuvent osciller les petits oscillateurs qui constituent la matière. C'est cette intégrale qui pose problème dans le calcul de Rayleigh-Jeans et qui conduit à la divergence dont on a parlé tout à l'heure. Ce que fait Max Planck, c'est qu'il considère, il fait l'hypothèse ad hoc, que ces oscillateurs qui constituent la matière ne peuvent osciller qu'avec un ensemble de fréquences discrètes. Voilà, toutes les fréquences ne sont pas permises. En fait, il discrétise l'ensemble des fréquences permises pour les oscillateurs. Et mathématiquement, ça revient à remplacer l'intégrale dont je viens de parler par une somme discrète qui donne un résultat différent et donc qui ne diverge pas. Donc c'est purement mathématique dans ce qu'il fait lui. Hein. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il remplace une intégrale par une somme discrète avec dedans des oscillateurs qui ont une fréquence donnée. Et ce qui sort du coup du raisonnement, du calcul et de l'étude que fait Max Planck, c'est que du coup, mathématiquement, tout se passe comme si la lumière n'était émise ou absorbée par les corps, que par paquet d'énergie E, cette énergie étant reliée à la fréquence, ça c'est la fréquence nu ici, par une constante de proportionnalité que lui, avait noté H. Donc, il montre que si on veut retrouver le spectre du corps noir, il faut faire une hypothèse mathématique qui pourrait se traduire par l'énergie échangée par la lumière avec le corps ne s'échange que par paquet discret de valeur H. J'insiste depuis tout à l'heure sur l'artifice mathématique parce que pour lui c'est vraiment ça. Il n'essaye pas de dire oui, la lumière est effectivement faite de petits grains, ça revient à ça, mais il ne le dit pas. C'est vraiment pour lui purement mathématique. Donc voilà, en 1900, effectivement, on a l'idée que si la lumière ne s'échange que par grains de ce type-là, et ben, on résout un des problèmes qui est le rayonnement du corps noir. En 1905, donc 5 ans plus tard, Albert Einstein, lui, explique cette fois-ci l'effet photoélectrique par l'hypothèse des quantas lumineux. Donc à partir de Planck, on appelle ça le E égale H tout à l'heure, on appelle ça un quantum, donc au pluriel des quantas, comme des quantas lumineux. Et effectivement, Einstein réalise que si la lumière elle est effectivement constituée de paquets d'énergie H nu, ne peut être échangé que par paquet d'énergie H nu, on comprend très bien les propriétés de l'effet photoélectrique de tout à l'heure, puisque, et on l'interprète comme ça, dans un métal, il y a des électrons qui sont liés au métal, pour les faire sortir du métal, il faut leur apporter une énergie suffisante, les délier du métal, donc leur apporter une énergie suffisante, cette énergie, E égale H nu, n'est suffisante que si nu est suffisamment grand, donc que si la fréquence est suffisamment grande. Et si vous bombardez votre métal avec plein de lumières qui ont des petites fréquences, donc chaque
paquet de lumière à une petite fréquence, bah, les électrons vont recevoir des petits paquets de lumière, mais ils en reçoivent un petit, ça ne suffit pas pour les faire sortir, hop, ils vont dissiper cette énergie dans le milieu, puis ils vont revenir au repos, ils vont recevoir un deuxième, puis un troisième, etc., mais ça ne va pas réussir à les faire sortir, ça va juste chauffer le métal. Donc là, lui, Einstein, il prend cette hypothèse très au sérieux, et donc effectivement, il dit, si la lumière est constituée de quanta lumineux, E égale H nu, les mêmes que Max Planck, là, et bien effectivement, on comprend aussi l'effet photographique. Pour ça, il va avoir le prix Nobel en 1912. Donc Einstein, hein, en 1905, il a publié plusieurs articles vraiment très importants pour la physique, qui ont révolutionné la physique. Ça s'en est un. La même année, il a publié son papier sur la relativité restreinte. Voilà, et il a aussi publié un papier sur le mouvement brownien. Donc, il a aussi compris quelque chose que les gens n'avaient pas compris avant depuis longtemps. Et aujourd'hui, on peut être surpris que c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel et pas pour la relativité restreinte, qui est quand même un pas encore au-dessus dans la nouveauté et puis dans le fait qu'il ose faire un truc nouveau. Mais bon, c'était la relativité restreinte, peut-être probablement un peu trop en avance à ce moment-là sur le temps de l'époque pour que le comité Nobel lui donne un prix. Bon, il en a eu quand même un. En fait, il en aura mérité trois au moins. Donc, évidemment, il faut laisser un peu de place aux autres. Et alors, en 1917, quelques années plus tard, là je saute allègrement quelques années dans la vie d'Einstein, entre 1905 et 1917, il s'est passé plein de trucs. Vous savez ce qu'il a fait? Il ne s'est pas tourné les pouces. Hein. Vas-y. La bombe nucléaire. Oula, c'est bien plus tard la bombe nucléaire, c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale. Non, il a fait la relativité générale, en fait. Il avait la relativité restreinte, et pendant donc ça lui a pris une bonne dizaine d'années pour incorporer là-dedans la gravitation, et en 1916, il publie une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale. Après, il prend un peu de vacances, et donc du coup, il se remet à faire des choses un peu plus simples pour lui, et il fait des révolutions en optique. Du coup. Voilà. En 1917, donc, il découvre de façon théorique l'émission stimulée. Vous savez ce que c'est, l'émission stimulée? Non. Donc c'est un effet physique suivant. Quand vous avez un atome qui est dans un état excité, vous savez que les atomes peuvent être dans plusieurs états, hein, l'état fondamental de plus basse énergie, et puis si vous lui apportez de l'énergie, bah, il peut aller dans des états excités, des états de plus en plus grande énergie. Si vous prenez un atome dans cet état excité, bah, il peut se passer deux trucs. Si vous le laissez tout seul, comme ça, tranquille, au bout d'un certain temps, il va se désexciter en émettant de la lumière. Voilà. D'ailleurs, l'énergie émise correspond à la différence de niveau d'énergie de l'atome. Bon. Il peut se passer autre chose, cet atome excité, là, si vous lui envoyez une onde lumineuse, eh ben, il va se désexciter en émettant de la lumière, et en émettant de la lumière qui a les mêmes propriétés que la lumière incidente. C'est-à-dire, imaginez que vous ayez un atome dans lequel vous avez, vous avez un atome qui est dans un état excité, qui se trouve à, par exemple, 1 électronvolt au-dessus de l'état fondamental. Donc il a une énergie d'excitation de 1 électronvolt. On lui a apporté 1 électronvolt pour effectivement être dans cet état. Donc il est excité. Lui, il attend qu'une chose, c'est de se désexciter en émettant un photon, on dirait aujourd'hui un photon, en émettant de la lumière qui a une fréquence qui donne une énergie E égale à 1 électronvolt. Donc il attend que ça. Mais si en attendant, avant qu'il se désintègre, vous lui envoyez de la lumière qui a cette énergie-là, donc vous lui envoyez on dirait aujourd'hui un photon, je vais revenir sur le photon tout à l'heure, vous lui envoyez un photon qui a une énergie de 1 électronvolt, et bien il se désintègre en émettant un photon de 1 électronvolt. Et à la fin, vous vous retrouvez avec deux photons. Vous en aviez un et vous vous retrouvez après avec deux. C'est le principe des lasers, ça ? Exactement, c'est ce qui va être utilisé après dans les principes des lasers, tout à fait. Oui ? J'ai compris, l'atome, il se désintègre. Alors que j'ai dit désintègre, justement, effectivement, ça se désexcite, si tu préfères. Donc, il se désexcite en émettant, il passe en état fondamental en émettant de la lumière. Donc, quand je dis découvert de façon théorique, c'est peut-être, ça vous semble un petit peu bizarre peut-être, en fait, il fait un raisonnement sur ce qui se passe à l'équilibre thermodynamique. Il étudie tout un ensemble d'atomes qui sont dans un gaz à l'équilibre thermodynamique, et il essaye de voir à quelles conditions est-ce que, en interagissant entre eux, les atomes peuvent effectivement se mettre à l'équilibre thermodynamique, et en plus avoir donné lieu à une émission de lumière qui donne le spectre du corps noir, le spectre de Planck. Et pour ça, il s'aperçoit que si la seule manière qu'ont les atomes d'interagir avec la lumière, c'est de l'absorber ou de l'émettre de façon spontanée, c'est-à-dire si on oublie ce phénomène-là, donc, de temps en temps, les atomes absorbent de l'énergie, de la lumière, et deviennent excités,
et puis au bout d'un certain temps, il se désexcite tout seul, spontanément, en émettant de la lumière, et bien ça, si vous calculez la lumière qui est émise par un ensemble d'atomes de ce type-là, ben ça ne donne pas du tout le spectre sortant. Donc il s'aperçoit qu'il faut mettre un autre phénomène, il faut introduire un nouveau phénomène, si on veut comprendre le spectre de Planck, il faut que cette émission stimulée soit présente. Voilà. Et ça, après, c'est corroboré par des études vraiment de mécanique quantique sur qu'est-ce qui se passe quand on envoie de la lumière sur un atome. Et donc voilà. Lui, il n'a pas découvert comme ça, mais ça a été vraiment corroboré par des études microscopiques plus fines après. Et donc en 1917, cette émission stimulée est proposée par Einstein. Alors je parle de photons depuis tout à l'heure, ça m'a échappé, c'était anachronique. Le photon, il est né bien plus tard, en fait, en 1926. Les gens n'avaient pas on n'appelait pas ça comme ça, ils trouvaient des manières de t'en parler. Et donc voilà la lettre ici de Nature, dans laquelle Gilbert Lewis, en 1926, donc introduit pour la première fois l'idée de photon. Et on va lire ensemble, parce que ça vous donne un petit peu l'idée de comment les gens voyaient les corpuscules ou les quantas là, qui ont été introduits par Planck et puis par Einstein. Donc voilà, il dit dans cet article, quelle que soit la manière dont on voit la nature de la lumière, on doit admettre que le processus selon lequel les atomes perdent de l'énergie et ceux par lesquels les atomes qui ne sont pas loin reçoivent cette énergie est caractérisé par une soudaineté remarquable. Ça se fait vraiment de manière brutale. Ça se fait d'un coup. Donc ceci nous rappelle le processus par lequel une molécule perd ou gagne un atome ou un électron, mais jamais une fraction de l'un ou de l'autre. Voilà. Effectivement, on savait à l'époque que, par exemple, quand on ionise un atome, bah, il perd un électron, il en perd deux, mais il n'en perd pas la moitié d'un. Et là, c'est ce qui semble se passer aussi quand il y a des échanges de lumière. Là, donc, quand le génie de Planck, je passe un petit coup de cirage sur Planck, quand le génie de Planck l'a amené à la première formulation de la théorie quantique, un nouveau type d'atomicité a été suggéré. Donc cette atomicité, ça, c'est le fait que ça s'échange par paquets discrets. Et puis quand Einstein a été amené à l'idée de quantum de lumière, qui a été si fertile, voilà, effectivement, on a maintenant des preuves assez fortes que cette énergie radiante, au moins dans le cadre des hautes fréquences, peut être considérée comme se propageant par paquet discret. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ces paquets discrets suivent un chemin bien défini, ce qui suit les lois de la mécanique. Donc, il dit ensuite, bon, on peut être tenté d'adopter l'hypothèse qu'on est effectivement ici confronté à un nouveau type d'atome, une entité identifiable, qu'on ne peut pas détruire ou qu'on ne peut pas créer, donc quelque chose qui est vraiment échangé entre un atome et un autre, et qui agit comme, qui se comporte comme le transporteur, comme le vecteur de l'énergie radiante, et qui, après absorption, persiste comme un constituant essentiel de l'atome qui est absorbé jusqu'à ce qu'il soit de nouveau renvoyé et perdu par l'atome. Donc ce qu'il dit ici, c'est ben voilà, un atome reçoit de temps en temps ses paquets d'énergie, poum, le paquet d'énergie reste collé à l'atome, puis ensuite éventuellement l'atome le renvoie. C'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui. Hein. Et voilà, il dit on peut voir ça comme ça. Donc lui, dans ce papier, il dit ben, je fais l'hypothèse que effectivement ce nouveau type d'atome existe. Je ne prétends pas qu'on peut encore qu'on peut aujourd'hui le prouver. Mais bon, on espère que ouais, on pourra effectivement le faire plus tard. Et du coup, dans le paragraphe d'après, on va juste lire la dernière phrase ensemble. J'ai pris la liberté de proposer pour cette nouvelle atome hypothétique, qui n'est pas de la lumière, mais joue un rôle essentiel dans le processus de rayonnement, qu'on lui appelle le photon. Lui, il appelle ça comme ça, et à partir de ce moment-là, effectivement, les gens vont appeler ça comme ça, même si l'idée qu'il propose avant de lumière qui vient se couler aux atomes n'est pas du tout celle qui sera retenue. Alors, là, je vais jeter un voile pudique sur ce qui se passe dans les années 20 avec la conception et le développement de la mécanique quantique. Donc, le fait que, effectivement, la lumière se propage par paquets. Qu'on puisse associer à une énergie, qu'on puisse associer à une onde électromagnétique, qu'on puisse associer à une propriété corpusculaire, donc le fait que ça a une énergie donnée, ça a aussi une quantité de mouvement donnée, ça se comporte pas mal comme une particule en fait. Les gens découvrent à l'époque que c'est en fait dans l'autre sens,
les électrons, par exemple, peuvent aussi avoir un caractère ondulatoire. Et que tout, tout dans la nature a un caractère à la fois corpusculaire et ondulatoire. Ça va mener au développement de la mécanique quantique. Voilà. Et donc c'est dans les années 20-30 où vraiment là, il y a un gros développement de ça. Et les gens comprennent un petit peu mieux aussi du coup ce que c'est que ce photon. Alors ça, je vais pas en parler ici parce que je n'aurai pas du tout le temps de le faire. Et je passe sur vraiment les aspects d'interaction du photon avec la matière, parce que c'est ça qui va jouer un rôle ici dans l'histoire que je vais vous raconter. Et en 1924, on découvre, Richard Tolman découvre que l'émission stimulée peut conduire à un phénomène d'amplification dans un milieu. Donc voilà la phrase qu'il emploie dans le texte où il fait ça en 1924. Donc on peut imaginer que la possibilité existe que si on a des molécules qui sont dans un état quantique d'énergie supérieure, ils peuvent revenir dans l'état inférieur de sorte à renforcer le faisceau de primaire grâce à de l'absorption négative. Et donc, ce qu'il a en tête, c'est la chose suivante. Donc, le petit dessin qui est ici, donc ça c'est moderne, c'est pas du tout Richard Tolman qui l'a dessiné comme ça, mais ce qui est dessiné ici, c'est censé représenter des atomes qui sont dans des différents niveaux d'énergie. Vous avez ici en bleu des atomes dans l'état fondamental qui peuvent, en absorbant un photon, monter dans l'état excité, et en rouge, c'est des atomes dans l'état excité qui peuvent se désexciter. Et donc ce que dit Tolman, c'est la chose suivante, ce qu'il envisage, c'est que vous avez ici de la lumière qui arrive. Cette lumière, en interagissant avec des atomes qui sont dans l'état excité, par exemple avec celui-là, eh ben, donne lieu à de l'émission stimulée, dont j'ai parlé tout à l'heure, et on se retrouverait ici avec non plus un, mais deux photons. Il y a celui de départ qui est venu perturber l'atome, là, et puis celui qui a été émis par l'atome quand il s'est désexcité, donc là on en aurait deux. Ces deux photons ici, par exemple, tapent dans celui-là, il y en a un qui tape ici, donc un des photons se dédouble aussi, stop, il y en a un qui est éventuellement absorbé, et on se rend compte là-dedans que s'il y a suffisamment au départ d'atomes dans l'état excité, à partir d'un photon ici, on en aura plein en sortie. Et du coup, c'est une amplification de la lumière. Donc Tolman réalise ça, alors, il ne le fait pas expérimentalement, mais il décrit ça théoriquement, et les gens vont employer pendant quelques années le terme absorption négative pour ça, parce que c'est le contraire de l'absorption. Quand il n'y a que des atomes dans l'état fondamental ici, et bien le photon, la lumière incidente, elle est juste absorbée pour exciter les atomes du milieu. Et si au contraire on a beaucoup d'atomes dans l'état excité, c'est le contraire qui se produit et effectivement on peut comme ça amplifier la lumière. Alors ça a été observé plus tard, ça, donc là ce que je viens de vous parler c'était 1924. Donc c'est plutôt dans les années 30 que ça va être observé. Il y a plusieurs effets permet d'observer ça de manière indirecte, notamment en spectroscopie. En fait, cet effet-là, ça change notamment la forme des raies d'absorption dans les milieux. Je ne vais pas du tout en parler, je vous dis juste ça. Ça change la forme des raies d'absorption dans les milieux. Et Ladenburg, en 1903, effectivement, détecte ça, arrive à mesurer précisément la forme de raies d'absorption dans un certain milieu et voit qu'il doit y avoir cette absorption négative. Ça a été fait beaucoup plus directement plus tard, en 1951, par Purcell et Pound, avec une idée qui est vraiment extrêmement maligne, une idée qui était de Willis Lamb, la décrire maintenant. L'idée, c'est la suivante, c'est pour avoir une absorption négative, il faut avoir beaucoup d'atomes qui sont dans un état excité. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut par exemple apporter de l'énergie, envoyer plein de lumière, puis pouf, les atomes se mettent dans un état excité, et puis en attendant, avant qu'ils se désexcitent, on envoie un photon ici qui va faire une cascade. Ça, c'est difficile à faire, et en fait, on s'aperçoit que c'est effectivement difficile à faire de cette manière. Et en tout cas, à l'époque, on ne pouvait pas. En gros, ce qui se passe, c'est quand on éclaire et qu'on met les atomes dans l'état excité, tout de suite, ils vont se désexciter, on n'a pas le temps de faire l'expérience pour des raisons fondamentales. L'idée de Lamb, mise en œuvre par Purcell et Pound, c'est la suivante. C'est de se dire, quand on a un système, quand on a des petits aimants, imaginez que j'ai un petit aimant comme ça, mon doigt c'est un petit aimant, je le mets dans un champ magnétique comme ça, l'énergie de cet aimant ne va pas être la même selon que je mets l'aimant comme ça ou comme ça. Si vous prenez un aimant et que vous le retournez dans un champ magnétique, ça change son énergie. L'aimant, en fait, il a envie de s'aligner dans une manière précise dans un champ magnétique, c'est le principe des boussoles. Si vous prenez une boussole et vous inversez le nord et le sud, elle va se remettre dans son état d'énergie moindre, elle va se mettre dans le bon sens. Mais en fait, il se trouve que les atomes, ça se comporte dans certaines conditions comme des petits aimants. Ça a ce qu'on appelle un moment magnétique, c'est un spin, on appelle ça aujourd'hui un spin. Ça a un moment magnétique et donc l'énergie d'un atome dépend de
de son orientation. Vous avez des atomes qui ont leur spin comme ça, qui ont une certaine énergie. Ceux qui ont leur spin comme ça, qui ont une autre énergie, si vous les mettez dans un champ magnétique. Et l'idée de Lambe, c'est la suivante, c'est de se dire, bah, je vais mettre un champ magnétique dans un milieu qui contient des atomes qui ont des moments magnétiques. Donc ils vont tous s'aligner, la plupart vont s'aligner pour avoir l'énergie minimale. Putain, très bien. Et là, d'un coup, paf, je retourne le champ magnétique. Le champ magnétique hein, extérieur. Du coup, les atomes, il leur faut un certain temps pour se retourner. On a un certain temps pendant lequel vous avez tout un tas d'atomes qui sont dans le mauvais sens, finalement. Ils sont restés comme ça. Le champ magnétique s'est inversé et donc ils se retrouvent dans l'état d'énergie maximale. Donc on a fait ce qu'on appelle aujourd'hui une inversion de population, c'est-à-dire qu'on a mis plus d'atomes dans l'état excité que dans l'état fondamental. Et ce que font Purcell et Parnes, c'est qu'effectivement, ils font cette expérience, ils inversent le champ magnétique et ils envoient une onde dans le milieu avant que les atomes aient eu le temps de s'inverser. Et ils s'aperçoivent effectivement que l'onde qui sort du dispositif a une amplitude plus grande que l'onde incidente. Donc ils ont effectivement réussi à amplifier une onde. Là, c'était à relativement basse fréquence, c'était à 50 kHz. Donc ils ont envoyé une onde à 50 kHz, elle est ressortie à la même fréquence, mais avec une amplitude plus grande, grâce à ce dispositif. Et donc ça mettait effectivement, ça donnait une preuve effectivement de l'effet d'absorption négative et d'émission stimulée. Du coup. J'ai mis ici le mot température négative parce que quand on a des systèmes dans lesquels effectivement on a plus d'atomes dans l'état excité que dans l'état fondamental, quand on veut décrire ça avec de la thermodynamique et de la température, on tombe sur quelques problèmes et une manière de décrire ça, c'est de dire que c'est une température négative. Donc là, ce dont je viens de vous parler, ça s'appelle une inversion de population. Alors il y a plusieurs personnes qui ont réalisé effectivement qu'on peut faire ça. Là, je vous ai décrit une expérience, je reviens juste à ça. Ça, c'est en 1951 hein, que ça a été effectivement fait. Dans les années 20-30, des gens avaient vu, c'était dit qu'on pouvait effectivement utiliser ça pour amplifier des signaux. En 1939, il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup ici, en particulier en Occident, Valentin Fabrikant, qui est un russe. Donc, ce gars est un russe, et en 1939, il décrit dans un travail de thèse, il fait toute une étude de l'amplification d'une onde par une inversion de population. Il ne connaissait pas forcément ce qu'elle s'est fait ailleurs, mais en Occident, les gens ne connaissent pas non plus son travail à lui. Mais essentiellement, ce qui va être fait jusqu'aux années 50 aux États-Unis ou en Europe sur l'amplification par inversion de population, lui, il l'avait fait. Mais bon, il publie en russe. À une époque où les gens n'avaient pas forcément accès à ces revues-là en Occident, les gens ne parlaient pas forcément le russe non plus, c'est encore le cas aujourd'hui, mais voilà. Donc son travail va rester assez confidentiel finalement. Et alors en France, donc là, ce dont je vous ai parlé, c'était aux États-Unis et puis du coup en Russie, mais en France, il y a quelqu'un ici qui a travaillé sur ces aspects d'inversion de population, Alfred Kastler, qui a eu le prix Nobel, et donc qui invente ce qu'on appelle le pompage optique. Le pompage optique, c'est la manière d'amener des atomes dans leur état excité, justement en leur envoyant de la lumière. J'ai dit tout à l'heure que quand on envoie bêtement de la lumière sur un milieu, ça ne marche pas bien pour faire une inversion de population, parce que ce qui se passe, c'est que les atomes se désexcitent assez rapidement dans leur état fondamental. Et en fait, Alfred Kastler, il réalise que si on éclaire les atomes pour les envoyer dans un niveau très excité et que ces atomes peuvent se désexciter vers un état qui est, on dit, métastable, c'est-à-dire un état qui est instable mais qui a une longue durée de vie quand même, qui va y rester longtemps, et bien on peut comme ça effectivement arriver à faire une inversion de population. Et ça s'appelle le pompage optique. Des corps qui ont effectivement des états métastables, comme ça vous en connaissez, hein, parce que ça conduit à un phénomène physique de la vie de tous les jours qui s'appelle la luminescence ou la phosphorescence. Il y a des corps comme ça, vous les mettez à la lumière, puis hop, les petites étoiles là, qu'on met sur le plafond dans les chambres au-dessus des lits, ben voilà, c'est ça, on les éclaire, les atomes se mettent dans des excités, puis il leur faut quelques secondes, heures, des fois même minutes ou heures pour se désexciter. Ben voilà, ça, quand on a des atomes de ce type-là, les milieux qui possèdent ça, cette propriété-là, on peut faire du pompage optique et amener tout un tas d'atomes dans leur état excité. Donc l'histoire que je vais vous raconter maintenant va se passer essentiellement aux États-Unis et plus précisément sur la côte est, vers New York, là, et puis il y a une petite partie, un petit rebondissement en Californie. Alors, c'est l'histoire du laser que je vais vous raconter, l'invention de l'histoire du laser, et c'est pas juste pour placer l'histoire là-bas, c'est qu'effectivement c'est là-bas que les choses se passent. Et ça va se passer sur une échelle de temps assez courte. Essentiellement, là,
de partir de la Seconde Guerre mondiale et ça va s'arrêter en 1960, l'histoire que je vais raconter. Et essentiellement, ça sera les années 50. Alors, donc l'histoire, la petite histoire américaine commence par un événement pas très gai, la Seconde Guerre mondiale. Donc vous savez que les États-Unis ont pris part à cette guerre, qu'ils ont développé un effort de guerre important en termes de gens, de soldats qui ont été envoyés, mais aussi un effort technologique de mettre au point des techniques, des armes, des techniques de détection, tout un tas de trucs. Aux États-Unis, à ce moment-là, les scientifiques étaient réquisitionnés pour travailler sur des sujets militaires, du coup. Les scientifiques qui travaillaient dans des sujets qui pouvaient éventuellement aider les militaires ont été réquisitionnés et on leur demandait de travailler sur des trucs de militaires. C'est le cas notamment de Charles Townes. Vous le connaissez, lui? Non, c'est un prix Nobel aussi. Enfin, vous révisez vos prix Nobel. Donc Charles Townes, qui est employé par les laboratoires Bell, je reviendrai tout à l'heure sur ces laboratoires. Donc il travaillait sur la spectroscopie micro-ondes. Super intéressant. Non, je ne fais pas ça, parce que c'est intéressant. Il travaillait sur la spectroscopie micro-ondes, c'est-à-dire qu'il regardait comment des molécules peuvent absorber ou émettre différentes longueurs d'onde. Et là, dans le domaine, effectivement, des micro-ondes. Et donc, avant la guerre, il est réquisitionné pour travailler sur les radars. Le radar, c'est vraiment un équipement clé dans la guerre. Vous avez envie de pouvoir détecter les avions, les bateaux, tout ce que vous voulez, émis à distance assez grande. Et donc, les militaires essaient de développer des radars à ce moment-là. Les radars, ça emploie, c'est des ondes électromagnétiques qu'on envoie qu'on envoie, puis on attend de recevoir l'écho et qu'on analyse l'écho, on essaie de savoir où se trouve l'objet qui a effectivement réfléchi l'onde. Donc c'est pas très éloigné de ce que fait Charles Townes, surtout que ce qu'on lui demande de faire, lui et d'autres, c'est d'étudier la possibilité de faire marcher les radars à des fréquences de quelques gigahertz, c'est-à-dire c'est vraiment des micro-ondes. C'est quelque chose qui n'est pas évident. On n'a pas à l'époque tellement d'émetteurs à cette fréquence-là, on n'a pas tellement de récepteurs non plus. Et puis en plus, c'est des fréquences auxquelles les molécules de l'atmosphère gênent. C'est-à-dire que si vous envoyez une onde micro-ondes dans l'atmosphère, elle va être assez vite absorbée par des molécules qui sont là, par de l'eau notamment, par l'azote aussi qui sont là-bas. Voilà. Donc il étudie ça avec un des objectifs de Charles Townes, c'est d'étudier ça. En quoi est-ce que c'est gênant l'absorption de l'atmosphère et tout ça. Peu importe. Donc le radar est effectivement développé pendant la guerre, il participe, la guerre s'arrête, paf, donc il revient à ses moutons. Et en 1948, ce Charles Townes devient professeur à un laboratoire qui s'appelle le Columbia Research Laboratory, qui est financé pas mal par le Pentagone, donc, le gouvernement américain. Notamment pour travailler sur le radar et les télécommunications. Je reviendrai tout à l'heure aussi sur l'utilisation des dispositifs qui ont été inventés par ces gens-là, notamment des utilisations militaires. J'y reviendrai tout à l'heure. En 1949, il embauche quelqu'un qui va jouer un rôle dans notre histoire, Arthur Chaulow, en postdoc. Donc Arthur Chaulow vient d'avoir sa thèse et puis il vient travailler avec Charles Townes sur un projet de spectroscopie micro-ondes en chimie organique. Donc voilà, donc Townes connaît bien ça parce qu'il connaît la micro-ondes, la spectroscopie. Ils s'entendent assez bien, ils écrivent d'ailleurs un bouquin ensemble sur ça, sur la spectroscopie micro-ondes, ils apprennent à se connaître. Et ils deviennent même amis, hein. Voilà, ils se lient d'amitié, ils sont assez proches l'un de l'autre. Et alors il se passe plusieurs choses en 1951. Je vais peut-être commencer par le plus inintéressant peut-être. Chaulow épouse la belle-sœur de Townes. Donc en fait, ça a une importance dans l'histoire. Donc, Townes invite de temps en temps Chaulow à venir chez lui manger tout ça. La sœur de la femme de Townes de temps en temps est là. Et Chaulow aussi, ils s'entendent bien. Je fais pas de dessin, voilà. Bon. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que en fait, avec les règles qui étaient établies à ce moment-là dans les laboratoires. Townes était allé devenir directeur du laboratoire et il ne pouvait pas se permettre d'avoir son beau frère, c'est ça ? Ouais, son beau frère. Il ne pouvait pas se permettre d'avoir embauché son beau frère dans son laboratoire parce qu'on l'aurait accusé de faire, enfin de
d'introduire quelqu'un qui connaît personnellement, etc. Donc, à l'époque, Shallow était postdoc, donc était embauché pour une durée bien déterminée, et Shallow, à peu près à ce moment-là, que, de toute façon, il ne pouvait pas rester, il n'allait pas être embauché à jamais là-dedans. Donc il est parti, et il était bossé au laboratoire Best, dans le New Jersey, le même laboratoire que celui où Taz se trouvait avant la guerre. Bon, ça c'est fait, Shallow est marqué. Bon, pas plus le, ça va jouer un rôle. Une idée qu'a Townes aussi en 1951, c'est de séparer spatialement les molécules d'ammoniac. Donc là, ça ne vous parle pas du tout, mais je vais vous expliquer le truc. Donc Townes, il essaye de. Il a dans l'idée d'essayer de faire un amplificateur de micro-ondes en utilisant ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, en utilisant l'inversion de population, l'émission stimulée, tout ça. Et pour ça, il faut arriver à prendre dans des molécules ou des atomes ceux qui sont dans un état excité. Et Rabi, un scientifique de l'époque, avait remarqué qu'effectivement, les molécules d'ammoniac, ammoniac c'est NH3, c'est un azote avec trois hydrogènes qui font des pattes comme ça, voilà. Une molécule pyramidale qui a différents états d'énergie, et Rabi avait remarqué qu'on pouvait, en envoyant des molécules d'ammoniac dans un champ magnétique, on pouvait séparer celles qui avaient une énergie plus grande de celles qui avaient une énergie plus petite. Voilà, on pouvait les séparer spatialement. Et ça c'est lié au... Pas trop de physique, je me suis promis en préparant ce cours, pas trop de physique, donc je vais essayer de rester un cas. Donc voilà, on peut les séparer spatialement. Townes, donc, a l'idée réalise qu'en fait, ça peut être un super moyen de faire une inversion de population, parce que s'il applique effectivement l'idée de Rabi à ses molécules d'ammoniac, il va se retrouver avec donc un dispositif qui envoie les molécules excitées d'un côté, les molécules non excitées de l'autre, et donc, ces molécules excitées dans le faisceau du haut, là, que je suis en train de matérialiser avec ma main, ben ça, c'est vraiment un système qui a une inversion de population. Il n'y a que des atomes excités là-dedans. Et donc, si ces molécules d'ammoniac, on arrive à les prendre, à les mettre dans une boîte, et puis à faire arriver une onde dessus, et ben probablement, cette onde va être amplifiée en passant dans le milieu. C'est ça l'objectif de Townes, et c'est une idée qui est vraiment révolutionnaire, et si ça marche, on aura accès à il aura accès du coup à un amplificateur de micro-ondes qui permettra de faire plein de trucs, notamment des radars, éventuellement des armes aussi, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, il a cette idée-là en 1951, et c'est cette idée-là qui va mener au laser sur une échelle de 10 ans. La même année, il propose à James Gordon une thèse pour ce projet. Donc James Gordon, c'est un jeune étudiant, et il travaille une thèse dessus. Et puis comme Shallow est parti... avec la belle sœur de Townes, et enfin, est partie du labo surtout, parce qu'il ne pouvait plus rester. Quelqu'un d'autre a pris sa place, Herbert Zeiger, qui, jusqu'en 1953, occupe la place de Shallow. Ils sont trois, Townes, Gordon et Zeiger, à bosser sur cette idée d'utiliser des molécules d'ammoniac qui ont été séparées par l'idée de Rabi, et puis d'utiliser ça pour amplifier. Voilà Townes et Gordon. Et un gars au fond que l'histoire a oublié. Non, il s'appelle Wang en fait. Il n'a pas été oublié, mais. Ça m'empêche d'être super frustrant parce que le gars, cette photo, elle est vraiment historique. Hein. Enfin, voilà. Et puis le gars, il est là et tout le monde s'en fout. Vas-y. Ils ont fait ce qu'on appelle le maser. Hein. Exactement, ça va mener à ce qu'on appelle ce qu'ils vont appeler le maser. Ouais. Alors, comment ça se passe en pratique? Townes, en fait, il n'a pas le temps. Je vous ai dit, Townes, il bosse avec les deux autres. Là, non, c'est les deux autres qui bossent. Donc, lui, il a une douzaine d'étudiants. Une douzaine. Voilà, en gros, il passe de temps en temps. Ça va? Ouais, ok. Ça va? Non? Bah, débrouille-toi. Okay, ça. Voilà, c'est ça, en gros. Enfin, je ne dis pas qu'il n'était pas attentionné vis-à-vis des étudiants, mais il n'était pas en train de bosser au quotidien avec chacun d'entre eux. Donc il a l'enseignement, la responsabilité administrative, bon, c'est un gars qui est occupé, donc en fait voilà, c'est Gordon en fait, le gars là qui avait pris en place, avance beaucoup seul, surtout qu'après 1953, le Zeiger, le troisième là, qui remplaçait Shallow, est parti, et donc c'est essentiellement Gordon qui fait avancer le truc. Et effectivement, en 1954, Gordon obtient un oscillateur à ammoniac à cette fréquence-là, avec le principe que j'ai décrit tout à l'heure. Il arrive effectivement à le faire marcher, et c'est ce qu'on appelle le maser. Donc ça va être crédité à Townes et Gordon. Townes, il a fait plein de trucs, hein, il a eu l'idée, puis il venait voir tout le temps si tout marchait, mais Gordon n'était pas juste son étudiant qui suivait les ordres de Townes, c'est lui qui a vraiment développé le... Alors maser, le mot, ça vient de ça. Microwave amplification by stimulated emission radiation, ça veut dire amplification des micro-ondes par émission de rayonnement stimulé. Bon, voilà.
Il y a d'autres acronymes qui ont été proposés, notamment par Towns, donc un moyen d'avoir de l'argent pour de la recherche chère, je reviendrai tout à l'heure sur ça, et Shadow qui a fait un peu un nom de même style, je ne sais pas lequel a fait le genou le premier, mais bon. Je vais revenir sur ça parce qu'effectivement, ce Mazer, là, au-delà de l'aspect scientifique, ça va jouer un rôle vraiment important dans le financement des laboratoires. Alors une fois qu'ils ont obtenu un en fait de Mazer, ils s'attachent ensuite à en faire un deuxième. Parce que une propriété fondamentale et essentielle de ce dispositif, c'est que quand on regarde la manière dont ça marche, ça doit forcément rayonner à une fréquence extrêmement particulière et précise. Voilà. Donc en fait, c'est la fréquence de 24 GHz dont j'ai parlé tout à l'heure, là, celui qui était là. Ça, c'est une propriété fondamentale des niveaux d'énergie de la molécule d'ammoniac. Toutes les molécules d'ammoniac sont les mêmes. Donc un Mazer et un autre vont normalement rayonner à la même, osciller à la même fréquence. Et donc, si on en fabrique un deuxième et qu'on compare les fréquences, les différences doivent être vraiment extrêmement, extrêmement faibles. Donc ils le font et effectivement ça marche, ça prend un petit peu de temps, mais voilà. Et ils savent à partir de ce moment-là qu'ils tiennent vraiment un truc super, super important. Et alors, eux, ils font ça pour différentes raisons. Bon, d'une part parce que c'est un dispositif nouveau, voilà, physique fondamentale, avancée de la science, blablabla, mais c'est pas que ça. Il y a aussi des applications envisagées, ils savent qu'ils pourront faire de la spectroscopie avec ça. Donc, n'oubliez pas que leur formation initiale à ces gens-là, c'est de la spectroscopie. Et donc ils savent que s'ils disposent d'une source lumineuse ou ici de micro-ondes qui a une énergie bien particulière, ils pourront étudier les propriétés des matériaux à cette énergie-là, voir comment les atomes ou les milieux absorbent cette énergie. Donc ça va être de la spectroscopie vraiment, vraiment de précision. On peut faire aussi des horloges atomiques. Si on a quelque chose qui oscille à une fréquence extrêmement bien déterminée, ben en comptant les oscillations, on peut savoir précisément combien de temps il s'est passé. Ce qui limite la précision d'une montre, hein, habituellement. Si vous prenez la montre qui est dans votre téléphone portable, voilà, ça vous donne l'heure. Comment ça fait ? Ben, vous avez un cristal qui est dedans, qui oscille à une certaine fréquence, et puis ça compte les oscillations. Ben, vous et puis votre voisin, vous n'avez probablement pas tout à fait le même cristal, le même téléphone, ça oscille pas tout à fait à la même fréquence. Et donc, au bout d'un certain temps, les deux montres ne vont pas indiquer la même heure. Vous avez une qui va prendre de l'avance sur l'autre. Bon, ben, si on a un moyen d'avoir un oscillateur à une fréquence extrêmement précise, on arrive à faire des horloges plus précises. Et c'est le cas, du coup, avec le Mazer, ça va être une application super importante de ça. À partir de ce moment-là, on va commencer à faire des horloges qui sont vraiment, vraiment beaucoup plus précises. Et faire aussi des amplificateurs, du coup, d'amplificateurs de micro-ondes. Ça sert en astrophysique, astronomie. Quand on observe des corps dans l'espace qui émettent des micro-ondes, eh ben, on peut avoir envie de l'amplifier, ça. Voilà, on met ça à l'arrière d'un télescope suffisamment enfin, construit comme il faut pour recevoir des micro-ondes, et on va pouvoir amplifier ça. Et ça sert enfin pour les radars, et c'est ça qui va intéresser notamment les militaires. Donc tout ça, c'est des applications qui étaient vraiment... ils le savaient, hein, Towns, Shallow et le reste savaient que c'était ça que ça allait donner, et ils étaient bien conscients que là, ils tenaient un truc mais extraordinaire. Quoi, hein, c'était vraiment... Donc ils ont eu le prix Nobel pour ça, et enfin, Towns a eu le prix Nobel pour ça, pas l'autre. Alors, un an plus tard, la Towns il va un peu partout présenter son travail. Notamment, il va à une conférence à Cambridge. Et donc, il va pour présenter son truc. Et alors, autant les gens qui bossaient dans le domaine, ils étaient persuadés que c'était quelque chose de vraiment révolutionnaire. Tout le monde, dans le milieu scientifique, n'avait pas forcément réalisé que ça allait l'être. Et en fait, quand Towns il vient à la conférence, donc lui, il vient pour présenter le laser. Et puis on lui dit, les organisateurs disent non, mais en fait, on aimerait mieux que tu parles d'un autre truc, de spectroscopie d'une molécule, machin. Bon. Ok, bon, Towns, il le fait, c'était pas bon pour ça, mais bon. Il le fait. Il présente son truc, et un des speakers qui vient après, un des intervenants qui parle, un russe, donc Alexander Prokhorov, commence à sa présentation, puis dit, bah, voilà, si on a l'émission stimulée dans un milieu, et puis qu'on envoie une onde, voilà. Il décrit le truc. En fait, il décrit le Mazer, le russe. Donc Towns il n'est pas très bien dans ses souliers là, parce que lui bon, il a l'impression de se faire un peu piquer l'idée, et en fait bah, Towns ne se démonte pas, hein. Donc, Alexandre Prokhorov avait présenté la chose de manière assez théorique, voilà, on peut faire un Mazer, et donc Towns se lève et puis dit, je vais juste vous dire un truc 2 minutes, donc effectivement c'est une très bonne idée, d'ailleurs on en a un qui marche, voilà, et puis il présente son truc, et en fait voilà, cette conférence là il a vraiment du coup pu finalement présenter son travail. C'est pour dire qu'il y a quand même des gens aussi hein, ailleurs qui avaient réussi à faire ça, et là donc, ce russe ici était victime aussi du fait probablement qu'il n'avait pas publié
son travail à temps. Hein. En Russie, les gens avaient tendance à publier en russe, je l'ai déjà dit, et à publier aussi un petit peu moins qu'aux États-Unis. Alors, le Mazer qui a été proposé par Towns, là, c'était un Mazer gazeux, et donc le milieu à l'intérieur qui permettait d'amplifier, c'était du gaz d'ammoniac. Et on est très intéressé, les gens sont très intéressés par la possibilité de remplacer le gaz par un solide, parce que ça sera plus stable, parce que ça pourrait faire des dispositifs plus compacts, parce que aussi les propriétés des solides sont plus stables. En fait, le gaz, suivant la pression et tout ça, bah, la propriété du dispositif change, alors qu'avec un solide, ça ne serait pas le cas. Et donc, y a des recherches dans ce domaine-là, surtout qu'à ce moment-là, les militaires s'intéressent vraiment à l'affaire. Et avec eux, les contracteurs privés qui en dépendent. Donc, ce que je veux dire par là, les contracteurs privés, c'est, je ne sais pas si vous savez comment marche la recherche militaire, hein, mais en particulier aux États-Unis, vous avez des grandes agences gouvernementales, vous avez l'armée de l'air, vous avez la Navy, tout ça, qui ont chacun leur laboratoire de recherche, qui font de la recherche scientifique pour développer des armes ou des radars ou tout ça. Et vous avez aussi des organismes comme l'ARPA, dont je parlerai tout à l'heure, je donnerai l'acronyme tout à l'heure, qui est chargé de faire appel à des... de détecter les technologies nouvelles et d'essayer de les faire développer, de détecter les technologies qui sont prometteuses pour tuer des gens, bon, voilà, et puis d'embaucher des boîtes pour développer des choses. Les contracteurs privés, c'est des entreprises privées qui bossent pour l'armée et qui leur font une partie de la recherche et le développement et qui aussi construisent des trucs. Il y en a vraiment tout un tas, il y a des gens qui se font une fortune avec ça, effectivement des contracteurs privés qui ont effectivement des bonnes idées et qui travaillent bien. Je ne suis pas en train de défendre le système, hein, mais simplement, c'est vraiment c'est une mine d'or. Hein. Il y a des gens qui se sont vraiment fait des engrais en or avec ça. Bon. Alors, le Mazer, vous allez voir, va disparaître un petit peu de mon histoire pour être remplacé par le laser, mais je veux quand même ici vous dire que, assez rapidement, la plupart des applications qui avaient été envisagées par les gens ont été remplacées par d'autres, pour faire de l'amplification notamment, pour faire des oscillateurs très précis aussi. Voilà. Pour l'horloge atomique, non, ça va rester longtemps, mais pour le reste, au fil des années, finalement, on va s'apercevoir que le Mazer, c'est pas forcément le moins coûteux, le plus efficace, etc. Donc ça va être remplacé par d'autres trucs, mais c'est à cette époque-là où les militaires vraiment s'intéressent à ça. Et alors, à partir de cette époque-là, en gros, vers 1957-58, les gens ont l'idée de passer du Mazer, donc qui se fait avec des micro-ondes, à un dispositif qui marcherait dans le domaine optique. Essayer de faire un amplificateur du même type, mais qui marcherait dans le domaine de l'optique et non pas dans le micro-ondes. Alors, les gens appellent ça le Mazer optique. Le mot laser va venir plus tard. À cette époque-là, les gens utilisent Mazer optique. C'est quelque chose que la plupart des gens voient comme un peu un rêve lointain, mais on se dit, en gros, les estimations, c'était, ça sera possible dans 25 ans, dans 30 ans, voilà, on commence à y réfléchir, c'est intéressant, il y a tout à faire, mais voilà. Dans 25-30 ans, on arrivera probablement à passer outre les difficultés qui font que, pour l'instant, ça ne le fait que dans le domaine des micro-ondes. Et la raison pour laquelle les gens cherchent ça, donc il y en a plusieurs, hein. Donc d'abord parce que c'est un challenge fondamental de passer de ces masers au maser optique, ben, si c'est possible, faisons-le. Ça sera une nouvelle source de lumière pour la spectroscopie aussi, ça, c'est super important, les gens réalisent ça, hein. Si on arrive à faire des sources de lumière à une fréquence très très bien donnée, ben, la spectroscopie va faire un bond en avant, pour les télécommunications aussi, et pour les applications militaires. Ça sera, je vais y revenir aussi bientôt. Alors les télécommunications, ça vous explique le fait que une des entreprises que j'ai mentionnées tout à l'heure est intervenue deux fois déjà, les entreprises Bell. Donc Bell, c'est l'inventeur du téléphone, hein. Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui l'a vraiment inventé, pour le coup, je ne suis pas allé vérifier, mais il est crédité pour ça. Et les entreprises Bell, bah, c'est une grande entreprise aux États-Unis qui a le quasi-monopole des communications. Ce n'est pas le monopole, il y a plein de petites boîtes qui mettent des téléphones en route un peu partout aux États-Unis, mais essentiellement c'est Bell qui s'occupe de ça aux États-Unis. Et donc ils sont intéressés, Bell, pour tout ce qui est développement de nouvelles méthodes de télécommunication. Et le challenge à cette époque-là, c'est le développement justement des télécommunications du téléphone et le développement du nombre de lignes. On a envie que plusieurs personnes en même temps puissent se parler au téléphone et qu'on a un signal qui passe sur une même ligne. On veut avoir un fil qui va de la Californie à New York, paf, et que quelqu'un, 10 personnes en Californie, puissent parler en même temps à 10 personnes
à New York. Bon. Donc il faut arriver à faire passer cette information-là, d'une manière ou d'une autre, dans un fil. Et on réalise à l'époque que la manière de faire ça, c'est de faire de la modulation. Je ne sais pas si vous avez vu ça, modulation de fréquence, modulation d'amplitude. On prend un signal de fréquence bien donné, et puis on le perturbe. Voilà. Je ne vais pas entrer là-dedans non plus. On le module, on le perturbe de manière intelligente, et on arrive comme ça à faire passer plusieurs communications en même temps. Et on étudie cette modulation-là, on s'aperçoit qu'on peut faire passer d'autant plus de signaux différents là-dedans que la fréquence est élevée. Avec une onde de basse fréquence, on fait passer quelques communications en même temps, avec une onde de haute fréquence, on en fait passer plein. Et donc, les entreprises Bell réalisent qu'effectivement, si on a une lumière, on arrive à faire une lumière comme ça, qui a une fréquence bien donnée, et qu'on arrive à contrôler, on pourra peut-être faire passer un grand nombre de communications via des signaux lumineux. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans les fibres optiques. Hein. Donc à l'époque, il n'y avait pas de fibres optiques, c'est développé plus tard, mais ils n'avaient pas non plus l'idée des fibres optiques à l'époque, mais ils pensaient qu'on pouvait, dans l'air, envoyer des lasers et télécommuniquer. Envoyer des ondes de haute fréquence cohérentes et communiquer comme ça. Et alors, donc les gens qui se sont demandé comment faire ça, comment passer du maser au laser, il faut gagner un facteur 1000 en fréquence, hein, passer de l'ordre de quelque chose de 20, une centaine de GHz à quelque chose qui est une fréquence 10 000 fois plus grande. Et les difficultés sont vraiment fortes. D'une part, il faut adapter les dimensions de la cavité en conséquence. Alors ça, je ne vous en ai pas parlé, mais dans le maser, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met les molécules d'ammoniac dans une cavité. Et pour que ça marche bien, que je ne vais pas expliciter ici, il faut que la taille de la cavité soit de l'ordre de la longueur d'onde, de l'onde qu'on veut émettre. Donc pour des ondes centimétriques, ça fait quelques centimètres. Voilà. Là, dans l'optique, la longueur d'onde, c'est plutôt le micron, une fraction de micron. D'accord ? C'est un demi-micron le milieu de la bande visible. Et donc ça voudrait dire, si on veut simplement prendre le maser et puis le redimensionner pour en faire un laser, on obtient un truc qui est grand comme un micron. Donc on va pouvoir mettre très très peu d'atomes là-dedans, du coup ça va être très très peu puissant, ça va être pas pratique à utiliser, donc là c'est une des difficultés. L'autre difficulté, c'est que quand on essaye de mettre, quand on fait un maser comme ça, de ce dont je vous ai parlé, c'est basé sur le fait que les atomes excités peuvent se désexciter en recevant de la lumière, mais ils peuvent aussi se désexciter spontanément, ça arrive tout le temps, ça entre en compétition avec l'émission spontanée, avec l'émission stimulée. Et si on a trop d'émissions spontanées, en fait, tous les atomes se désexcitent et on n'a plus d'atomes excités pour faire l'effet maser. Et en fait, donc la compétition entre l'émission spontanée et l'émission stimulée, on peut montrer qu'elle est d'autant plus importante que la fréquence est importante. Donc ça, pour les masers, ça marchait bien. Là, facteur 10 000 entrées en fréquence, ça veut dire que cette émission spontanée, ça va vraiment, vraiment être super gênant. Donc il faut trouver un moyen de contourner ça. Voilà, ces deux obstacles-là, c'est ça qui fait essentiellement dire aux gens que c'est pas avant 25-30 ans ou plus qu'on arrivera à le faire. Il se passe quelque chose en 57. Sputnik est lancé. Donc Sputnik, c'est un objet qui a été lancé par les Russes en 1957, lancé par cette fusée-là. Donc c'est un satellite. Vous savez la taille que ça fait, Sputnik ? Vous avez déjà entendu parler de Sputnik ? Ouais, vous savez la taille que ça fait ? Un peu énorme, énorme. Mais pas énorme quoi ? 10 mètres, 1 mètre, 10 cm, 1 cm ? C'est dit ? 100 mètres ? 10 mètres ? Alors vous voyez le lanceur là ? On voit pas d'échelle, hein. Si vous ramenez une palissade, voilà, un bonhomme c'est comme ça. Sputnik ? Vous l'entendez ? C'est grand comme ça, c'est comme ça en fait. Hein. Ce qu'on entend là, c'est le signal qui a été envoyé par Sputnik. En fait, ça a été envoyé essentiellement pour transmettre ça. Voilà. Ce que vous avez entendu là, c'est vraiment l'émission Sputnik. Pourquoi ? Question à deux balles. Pourquoi les Russes se sont embêtés à envoyer un truc qui fait dans l'espace en 1957 ? Ouais ? Effectivement. Alors, l'envoyer en soi, c'était pas spécialement pour embêter les Américains, mais c'est toujours un plaisir, mais l'idée, c'était ils essayaient d'envoyer des trucs dans l'espace. Hein, voilà. Donc, ils faisaient de la recherche. On savait à l'époque, on avait bien conscience à l'époque que quelqu'un qui arriverait à aller dans l'espace, il aurait
un avantage tactique énorme sur son concurrent, parce que là on est vraiment en train de parler de concurrent, c'est la guerre froide, enfin, ça va être la guerre froide. Si on arrive à envoyer notamment des satellites espions, bah, on va pouvoir survoler le territoire ennemi sans qu'il puisse rien faire et regarder ce qui se passe chez lui. Voilà. Donc l'espace, c'est vraiment un enjeu important à ce moment-là. Donc les Russes envoient des trucs dans l'espace, essayent, y arrivent, ils envoient ça. Mais alors, ça ne suffit pas, il faut effectivement arriver à dire au monde entier qu'attention, nous les Russes, on a réussi, et le meilleur moyen qu'ils ont trouvé, c'est effectivement le meilleur moyen qu'ils pouvaient trouver, c'est d'envoyer un bip-bip. Parce que ça, ce que je vous ai... le son qui est ici, en fait, c'est des ondes radio, et ça, tout le monde sur Terre pouvait l'entendre, et du coup, tout le monde a essayé de l'entendre, tout le monde s'est dit, tiens, il y a un truc dans l'espace qui fait bip-bip-bip, essayons, les gens, les radioamateurs réglaient leur radio, détectaient ça, et voilà, tout le monde savait que les Russes avaient réussi à envoyer un satellite dans l'espace. Il n'y avait pas moyen de faire de la contre-information et de dire non, mais en fait, ils n'ont pas envoyé, ou ça n'a pas marché, ou voilà quoi. Si, ça marche, écoutez, mettez votre radio sur 107.7 et boum, vous entendez Sputnik. Donc ça va changer les choses, Sputnik, parce que à ce moment-là, effectivement, les militaires américains réalisent que ils étaient un peu en retard quand même sur les Russes. Eux, ils n'arrivaient pas à envoyer une boule comme ça dans l'espace. Donc ils se sont dit, bah, faut quand même qu'on booste un petit peu les choses, qu'on prenne de l'avance. Et du coup, il y a de l'argent qui va dans la recherche militaire sur tout un tas de domaines. Et un des domaines sur lesquels ils veulent vraiment mettre le paquet, c'est effectivement cette idée de bon, les radars déjà et cette idée de maser optique. Et en 1957, Towns et Shalow, hein, donc je vous rappelle que Shalow était chez Bell et Towns, lui, était à l'Université de Columbia. Donc ils décident de travailler ensemble sur ce maser optique au laboratoire Bell. C'est-à-dire que Towns revient dans ses laboratoires en tant que consultant pour travailler avec Shalow. Il connaissait bien les gens là-bas. Et il décide de travailler là-dessus. Bell, les laboratoires Bell, à ce moment-là, ont beaucoup d'argent des militaires, justement, pour travailler sur ça. Donc ils profitent de ce financement et indirectement de l'effet Sputnik. Alors, pas en 1957, mais au fil des années, quelques années après, là, il y aura beaucoup d'argent grâce à la peur des Russes. Shalow, il a l'idée, à ce moment-là, de remplacer... En fait, ils ont l'idée, une des idées qui va mener au laser, c'est-à-dire, ils vont se dire, bah, on s'était dit qu'il fallait diminuer les dimensions de la cavité là, pour obtenir un laser, jusqu'à obtenir quelques microns, mais ça, c'est débile, en fait. Enfin, c'est débile. Il n'y a pas besoin de faire ça. Il suffit, en fait, de... Bah, déjà, on n'est pas forcé d'avoir une cavité. Ce qu'il suffit de faire, c'est la chose suivante, c'est d'avoir un milieu actif et de mettre deux miroirs, un là, et si, comme ça, la lumière qui sera émise par un des atomes fera des allers-retours dans le milieu, et à chaque fois que ça fait un aller-retour, c'est amplifié, et puis si un des miroirs est semi-réfléchissant, ben, il y a une partie qui s'échappe, et ça sera de la lumière qui aura été amplifiée. Et ces deux personnes, là, Shalow et Towns, connaissaient d'ailleurs un dispositif dans lequel on fait ça, on met deux miroirs, et on fait passer de la lumière entre les deux comme ça. Vous connaissez ce dispositif, là, un dispositif optique qui constitue deux miroirs qu'on met face à face. C'est le Fabry-Perot. Et l'interféromètre de Fabry-Perot, c'est exactement ça. Donc à cette époque-là, c'était quelque chose qui était bien connu. Hein. Et on savait à l'époque que du coup, l'intérêt d'un Fabry-Perot, c'est de sélectionner des longueurs d'onde précises. Donc quand vous mettez une onde, vous faites passer une onde dans un Fabry-Perot, il va ressortir qu'une composante spectrale très fine. Et donc ça, de mettre le milieu actif entre deux miroirs, ça participe aussi à la finesse vraiment du dispositif. Ça permettra, quand ça marchera, d'avoir quelque chose qui vraiment rayonne à une fréquence bien déterminée. Alors, donc ils ont cette idée-là, ils essaient de la mettre en œuvre. Pendant les années qui viennent, en 59 notamment, Shalow essaye plusieurs trucs. Il essaye notamment le rubis. Qui est un solide qui était assez prometteur parce que dedans il y a des niveaux d'énergie qui marchent bien si on étudie bêtement les niveaux d'énergie et qu'on regarde si ça peut éventuellement donner de l'effet maser, un effet maser optique, le rubis ça semble bien marcher. Donc il a fait tout un tas d'expériences, il exclut, il s'aperçoit que non, le rubis ça ne marchera pas, pourtant c'était un truc qui n'était pas très cher et facile à faire et tout ça, dommage. Bon. Et donc il passe à autre chose. Il continue dans cette voie-là, il cherche toujours le maser optique, mais ils excluent le rubis, ils passent à d'autres corps actifs. Alors Shalow, c'est lui, le gars de tout à l'heure, là, et c'était vraiment, vraiment rigolo. Enfin, rigolo, c'était pas rigolo, mais c'était un gars qui avait un sens de l'humour, qui était connu pour ça,
ils faisaient plein de trucs. Ça, c'était une conférence, des conférences publiques qu'ils donnaient quelques années après, là, une fois qu'effectivement, ils avaient... Il y a le laser hein, qui va être créé, là, je spoil pas en vous disant que ça va être inventé, voilà, le laser va être inventé, il a participé à ça, et du coup, il fait des conférences dans lesquelles il présente ça. Et un truc qu'il aimait bien faire, c'est qu'il avait effectivement fait monter un laser dans ce jouet-là, un vrai laser, et il tirait dans le ballon, et en fait, si vous regardez bien, il y a deux ballons, il y a un nickel en ballon dans un autre ballon. Et en fait, ce qu'il arrivait à faire, c'est à faire péter le ballon de l'intérieur sans exposer celui de l'extérieur, parce que le laser traversait le premier qui était transparent, le deuxième était noir, on absorbait plus l'énergie, du coup ça chauffait, ça explosait, et voilà. Et il rigolait. Donc voilà, ça c'est un extrait d'un article, je vais vous le présenter un petit peu après tout à l'heure, mais qui présente la vie de Chalot, et ça présente notamment son sens de l'humour. Donc il disait, moi ce qui m'a fait marrer c'était ça, non c'est pas ça, je recommence. Là, on voit la blague de tout à l'heure où il disait que voilà, Mazer, ça voulait dire Money Acquisition Scheme for Expensive Research, parce qu'effectivement, les militaires étaient prêts à payer. Ça, on s'en fiche. Et surtout là, il dit donc si les découvreurs du laser avaient dit que c'était plutôt de l'oscillation de lumière, light oscillation, plutôt que l'amplification, le laser se serait appelé le loser. Moi, ça m'a fait rire. Shallow. J'ai un truc à venir sur le... Si, il a le prix Nobel, en fait, en 81, pour un autre truc. Ouais, bon, ok. Alors, il a fait une blague aussi, mais ça ne va pas vous faire rire. En fait, ça ne fait rire personne, cette blague. Je pense que c'est pour ça qu'il était connu pour ce sens de l'humour. C'était des blagues qui faisaient rire que lui, mais il les faisait. Alors, vous avez le prix Nobel, enfin, je vous le dis si un jour ça vous arrive, quand vous avez le prix Nobel, il est de bon ton d'offrir un cadeau au roi. En fait, il y a le roi qui assiste à la cérémonie de remise du prix Nobel et il faut lui faire un... Enfin, faut lui faire un cadeau. C'est le roi de la Suède ? Non, le roi d'Espagne, en fait. Ah, non, mais c'est en Suède. C'est en Suède, mais il demande au roi d'Espagne de venir et puis de faire un cadeau. Et c'est le roi de Suède, oui, c'est en Suède. Donc voilà, on fait un cadeau au roi de Suède. Et donc, il y a des cadeaux de plus ou moins bon goût et tout ça. Et lui, ce qu'il a offert, c'est une petite règle, comme ça, une petite règle graduée. Voilà. Un truc mais qui coûte 2 euros, quoi. Enfin, voilà. Offert au roi. Le roi, merci. Et donc, il lui a juste dit ça. Ruler for a ruler. Ça veut dire règle, mais ça veut aussi dire le gars qui règne, quoi, le roi. Une règle pour le roi. Voilà. Et il était mort de rire. Pas le roi. Hein. Bref, je vous ai mis ce papier, là, cet article sur le Moodle. Ça fait une dizaine de pages et c'est sur la vie de Charlot. Il y a ce genre de truc. Il n'y a pas que ça. Il y a évidemment ce qu'il a fait d'un point de vue scientifique. C'est en anglais, mais ça se lit vraiment très bien. Donc c'est un article... J'allais dire, c'est pas un vrai article d'histoire des sciences. Si, ça explique la vie de Chalot, mais c'est quand même censé être... voilà, ça rentre pas dans le détail de tout, ça donne un aperçu général de la vie de Chalot. Il est vraiment très intéressant, cet article. Donc il est sur le... Je l'ai mis ce matin sur le... Sur le... Donc là, voilà, ça c'est le roi là, qui reçoit son machin à 2 euros avec un sourire... Alors, on revient à notre histoire de Mazer optique, là. Qui est-ce que ça intéresse, ce laser optique? Donc, si on fait un peu le résumé des gens dont je vous ai parlé, il y a les gens de l'Université de Columbia, le laboratoire Bell, les militaires, et puis il y a aussi ceux-là, là, je vais y revenir tout à l'heure, les laboratoires de la Hughes Aircraft Company. Voilà, et donc il y a des contracteurs privés qui travaillent pour les militaires, et il y a dans d'autres universités aussi des gens qui étudient ça de manière... pour la recherche fondamentale, quoi, pour essayer de le faire, plus que pour les applications. Et alors, pour ce qui est de la recherche militaire, donc je vous ai mis aussi sur le... Pardon, j'ai essayé de vous mettre pour l'instant sur Google les deux papiers qui sont là. Celui-là était un peu gros, donc il faut que je trouve une manière de vous le donner quand même. Mais donc ça, ce sont deux études, donc du coup ici, une vraie étude d'histoire des sciences dans un journal d'histoire des sciences. Ça va faire 80 pages, sur vraiment l'histoire de la... Donc de la recherche militaire liée au laser, et c'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant à lire. Des choses que, enfin, on ne connaît pas bien, on n'en parle pas forcément beaucoup, on a l'impression que la recherche c'est des labos publics, voilà, c'est des gens qui sont profs, des gens mal habillés, en pull au vert, voilà. Mais il y a aussi des gens entraînés qui font de la recherche, il y a de la recherche qui se fait aussi là-dedans,
Encore une fois, il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est mal, c'est le cas. Voilà. Effectivement, il y a une part de la recherche qui fait là-dedans. Et dans le cas du laser, ça a effectivement influencé beaucoup le cours qu'a pris la recherche de ce domaine. Et ça, c'est un article un peu plus, j'allais dire superficiel. C'est pas très gentil pour l'article, il n'est pas du tout superficiel, mais un peu plus général. Donc, où ça explique la manière dont la recherche militaire s'est adaptée et a réagi à l'invention du laser. Là, j'en suis pas encore dans le point où, dans le point d'histoire où le laser est inventé, mais ça vient vraiment très 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 bientôt. Ça, c'est l'article, deux articles. Pourquoi je vous montre ça? Ah oui. Parce que dans le premier, il y a quelque chose qui, que je voulais vous dire. C'est la première phrase. Donc la première phrase est une citation d'un major de l'armée américaine qui dit, voilà, comme les autres, j'ai le sentiment que le laser pourrait être l'avancée la plus grande dans le domaine des armes depuis la bombe atomique. Je vous laisse apprécier le cynisme de la phrase. Et ce qui est vrai en plus, hein, enfin, c'est vrai, c'est effectivement c'est le mot avancé qui est peut-être un petit peu bizarre dans ce contexte-là, donc ça va servir à tuer des gens, etc. Il y a des gens donc, qui n'hésitent pas à écrire sur ça de cette manière-là. Et ça vous dit aussi que du coup effectivement la recherche dans ce domaine c'était vraiment pris très très au sérieux par les militaires. Et en fait dans cet article et dans l'autre, le point intéressant c'est qu'il explique vraiment comment les différentes branches de la recherche militaire américaine finalement se sont plutôt gênées qu'autre chose. Donc vous avez, je le dis tout à l'heure, vous avez la Navy, vous avez l'Air Force, vous en avez d'autres comme ça, vous en avez 4 ou 5 domaines différents de l'armée. Chacun voulait étudier le laser pour des raisons différentes. Du coup, ils se sont plutôt fait la compétition qu'aider. Et finalement, ce n'est pas eux qui sont arrivés à des choses le plus rapidement. Alors, petit intermède. Très bien. Petit intermède sur tout ça, et encore une fois, sur l'aspect militaire. C'est pas neuf le fait d'adapter des connaissances scientifiques à la guerre, à faire des armes, c'est pas nouveau du tout. Et une des premières histoires qu'on raconte sur ça, c'est une histoire qui est liée à Archimède. Archimède, vous savez qui c'est? Qu'est-ce qu'il a inventé ou qu'est-ce qu'il y a de connu? Dites-moi un truc connu en rapport avec Archimède. C'est Archimède. Poussé Archimède, d'accord. Il vivait où? Il vivait quelque part par là. Vas-y, guide-moi. Par là? Il y avait une île par là, oui. Alors c'est une île, effectivement. C'est celle-là. C'est la ville. C'est ça. C'est quoi? Syracuse. Enfin, je fais mon malin, j'en savais rien. Enfin, j'ai cherché Syracuse sur Google. Donc, effectivement, on était ces savants-là. C'était, l'époque, c'était moins 200 avant Jésus-Christ. Et il travaillait déjà, lui, pour les militaires à Syracuse. Il essayait de faire des machines qui lancent. Enfin, il a construit des machines qui lancent des sortes de catapultes, quoi. Voilà, il fait pas de trucs. Et il est mort lors du siège de Syracuse en 212 avant Jésus-Christ. Et l'histoire raconte qu'il aurait mis feu à des bateaux, qu'il aurait défendu la ville en mettant le feu à des bateaux grâce à des miroirs. Il aurait pris tout un tas de miroirs comme ça, il aurait concentré la lumière du soleil sur les voiles des bateaux pour les enflammer et retarder ainsi l'invasion et sa propre mort. Mais il est mort quand même. C'est vert en fait, vert moins 200. C'est, j'ai mis ça pour dire en gros, donc c'est le moins 3e siècle. Quoi. Je mettrai les dates exactes de Archimède. Cette histoire-là, on ne sait pas trop si elle, effectivement, si elle correspond à la réalité. La première trace qu'on en a, c'est un écrit du 12e siècle qui raconte ça. Et le truc que je voulais vous montrer là, c'était des expériences de l'histoire des sciences qui sont faites pour ça. En fait, il y a des gens, des étudiants du MIT qui se sont dit, pour savoir s'il l'a fait, déjà, posons-nous la question, est-ce qu'il pouvait le faire, effectivement? Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut le refaire? Et donc, ils se sont amusés à ça. Donc, les étudiants se sont mis comme ça, avec des miroirs, ils avaient chacun un grand miroir. Ils se sont mis là un jour où il faisait beau.
Et il y avait un bateau en bois carton tout au bout là-bas, et puis ils ont dirigé la lumière du soleil dessus. Et effectivement, ils se sont aperçus qu'ils arrivaient à mettre le feu au bateau de cette manière-là. Alors bon, c'était à moitié par jeu, et puis ça a aussi un intérêt du cours d'histoire des sciences, ça montre que c'est possible. Alors après, ce qu'il faut bien réaliser quand même, c'est que les miroirs que eux ont là, alors là ils sont couverts ici, non ils sont pas couverts, on voit les arbres. Les miroirs qu'on a aujourd'hui, ils n'ont rien à voir avec les miroirs du temps d'Archimède. Le miroir avec une glace et puis derrière un teint argenté, c'est quelque chose de très moderne à l'époque, c'était simplement des métaux, des surfaces métalliques polies que présentaient au soleil, et que les coefficients d'inflexion n'étaient pas du tout le même que les miroirs actuels. Donc ça ne prouve quand même pas grand-chose, mais c'est de dire, voilà, on pourrait essayer de refaire l'expérience avec les matériaux de l'époque d'Archimède et tout ça. Donc on ne sait toujours pas plus si Archimède l'a fait ou pas, en fait. Et alors cette idée d'envoyer de la lumière sur ou d'envoyer quelque chose sur un ennemi pour le désintégrer, pour le brûler, etc., ça a une longue histoire. Et en 1897, H.G. Wells, dans la Guerre des Mondes, introduit comme ça un rayon qui est lancé par les Kipodes, là. Donc voilà, c'est une des premières fois où on voit ça dans la littérature. Et il y a le mot rayon de la mort qui apparaît en 1915 dans un roman, en fait, d'espionnage, ici, qui est d'ailleurs disponible, il est lisible sur Internet, on peut l'avoir gratuitement à l'adresse qui est là, et ça apparaît comme, le mot rayon de la mort apparaît comme un titre de chapitre d'un des chapitres. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette idée de rayon de la mort, elle a fait son chemin chez les gens, dans la culture populaire, mais chez tout le monde, et chez les militaires aussi. C'est-à-dire que l'idée d'un rayon qu'on enverrait vers l'ennemi et puis qu'il fait exploser ou qu'il tue, etc., tout le monde l'a dans la tête. Et quand, dans les années 50, les scientifiques arrivent en disant « on va le faire, ça », et bien là, les militaires réagissent tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ont le truc en tête, ils visualisent déjà le pistolet, le machin, voilà, ils sont déjà dans la tête parce qu'il y a toute la littérature avant qui a fait le travail pour eux. Et il ne faut pas négliger le rôle de ça, le rôle de vraiment du fond culturel qu'on a en nous et qui nous permet d'accepter les choses ou pas. Et là, dans les articles que je vous ai proposés, qui sont sur le Moodle, sur les militaires et la recherche, vous verrez que, ils expliquent là-dedans que les militaires, ils ont effectivement sauté là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont pensé rayon de la mort quand on leur a proposé des choses sur le laser. Alors, là, ça, je vous le remets un petit coup, c'était juste pour vous remonter ce DARPA-là. Vous avez mentionné tout à l'heure le DARPA. DARPA, c'est Defense Advanced Research Projects Agency. Donc ça, c'est une agence qui est chargée de détecter et de promouvoir des techniques nouvelles et prometteuses qui seront applicables dans le domaine de la défense. Voilà. C'est eux, le DARPA, qui notamment donne des sous à des contracteurs pour faire de la recherche. Et eux, ils vont jouer un rôle important dans le développement de ce laser optique, en donnant de l'argent à plein de gens, en donnant de l'argent à l'Université de Columbia, au laboratoire Bell, un laboratoire ici dont je vais parler dans 2 minutes, au laboratoire Hughes dont je parlerai dans 5 minutes, etc. Et en fait, l'essentiel, plus de la moitié de l'argent vient des militaires pour tout ce qui concerne cette recherche. Alors, je vais vous dire un mot sur un troisième personnage qui va intervenir, Gordon Gould, qui a droit, attention, il a un timbre du Guinée-Bissau. Son effigie, ce gars. C'est pas n'importe qui. Okay. Gordon Gould. Gordon Gould, c'était quelqu'un qui était dans l'environnement de Towns, qui était là-bas à Columbia, qui faisait une thèse par là-bas. Il ne travaillait pas directement avec Towns. Mais en 1957, ces deux personnes discutent. Towns discute avec ce Gordon Gould. Gordon Gould, qui connaît bien le pompage optique, il parle notamment de laser optique, et sont tous les deux convaincus que ça va venir, en fait. C'est pas 25-30 ans, c'est bientôt. Ils vont y arriver, ils sont vraiment optimistes sur ça. Et Gould a l'idée, indépendamment de Towns et puis de Shallow, de placer un lieu actif entre deux miroirs, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et lui, ce à quoi il pense, c'est vraiment, du coup, il dit, grâce à ça, je vais obtenir une source de lumière qui est puissante et cohérente. Ce qui est vraiment différent de l'idée qu'ont Towns et Shallow. Towns et Shallow, eux, ils voient une lumière monochromatique qui va leur permettre
de faire de la spectroscopie, mais un truc pas forcément puissant, mais un truc précis, quoi. Voilà, petit machin, on est sur le bureau, on aura le faisceau de lumière, hein, et on va faire de la spectroscopie avec ça. Gould, lui, il a l'idée du truc, ça envoie la lumière, ça crame le mur, quoi, ça fait un trou. Il y a déjà ça dans la tête, hein. C'est le même dispositif dont on parle, hein, mais lui, il voit cette application-là. Et lui, ça fait aussi que du coup, avec ça en tête, il a moins de... Donc c'est plus facile pour lui d'aller voir les militaires et leur expliquer ça. C'est rayon de la mort, vous vous rappelez, ben voilà, je vais le faire. Et c'est ce qu'il fait effectivement. Et en 1958, notamment, il rejoint une boîte qui s'appelle Technical Research Group, TRG. Il leur explique ça, il arrive à les convaincre. Effectivement, c'est un projet qui peut effectivement marcher. Et donc cette entreprise décroche un contrat important avec l'armée pour développer ce truc. Et alors Gould, donc, il sait qu'il a quelque chose d'important, hein, donc, à cette époque-là. Et Gould, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment devenir riche et célèbre. C'est vraiment ça. Hein. Et il veut, donc il dépose des brevets assez tôt, il prend des notes, il montre à des notaires, vous voyez, regardez, j'ai écrit ça à telle date, et il sait qu'un jour ça va être important, et qu'il faudra qu'on sache que c'est lui qui a eu l'idée, et pas les autres. Donc du coup, il ne communique pas trop avec Towns, parce qu'il sait que Towns c'est un concurrent sérieux là-dessus, donc il ne lui dit pas grand-chose. Hein, bon. Donc il travaille dans son coin. C'est lui qui invente le mot laser. Il écrit dans son carnet en 1958 le mot laser, stop, voilà, avec l'acronyme qui est Light Amplification by Stimulated Emission Radiation. Voilà. Et il fait en sorte donc, qu'on puisse reconnaître plus tard l'autorité de sa démarche. Ça, c'est Gordon Gould. Donc ils sont déjà, on sait pas mal sur les affaires. Towns et Shallow, laboratoire Bell, qui cherchent le laser optique. Ils ont pas mal d'avance, hein. Ils ont déjà fait le laser, enfin Towns a fait le laser. Connaissent la plupart des pièces qui vont rentrer dans le puzzle, donc eux, ils sont probablement pas loin. Gould, qui est probablement pas loin non plus, et qui dispose du coup de moyens importants grâce aux militaires qui ont financé TRG. Donc lui, il est bien dans la course aussi. Troisième personnage, Howard Hughes. Donc, pourquoi je vous parle de lui ? Donc, c'est effectivement le personnage qui intervient dans le film Sea Aviator. Le film Aviator raconte une période de la vie de Howard Hughes où il était effectivement pilote et il pilotait lui-même des prototypes. Et il mettait en œuvre des prototypes pour l'armée américaine. Depuis le départ, Howard Hughes, hein, il travaille dans une boîte, Hughes Aircraft Company, qui est un contracteur de l'armée, et qui se fait des millions avec ça. En faisant des avions, on verra tout à l'heure d'autres trucs, mais voilà, c'est ça. Donc Howard Hughes est du coup aussi dans la course au laser, parce que donc, après avoir fait ces avions-là, pendant qu'il fait ça, il y a aussi d'autres projets, et il engage notamment sa compagnie dans la recherche du laser optique, et là, effectivement, il y a des contrats entre cette compagnie et puis le département de la défense américain, et des contrats, encore une fois, qui sont vraiment importants. Howard Hughes, il est un peu particulier. Alors déjà, le bonhomme, hein, je vous conseille vraiment d'aller lire des trucs sur lui, hein. C'était un psychopathe fini, quoi. C'est un gars, il voulait absolument pas avoir de contact avec le reste de l'humanité, il a vécu des années dans une chambre d'hôtel, il voulait que tout soit absolument propre, que la moindre chose qu'on lui apporte soit lavée 10 fois, etc. Il ne voulait pas choper de maladie. Bon. C'est un gars bizarre. Ouais. C'est pas pour ça que je voulais dire qu'il était bizarre au début. C'était que, il est un peu à l'écart des autres personnages de la course dont je parle ici, la course au laser, parce que lui, il est en Californie. Les autres, ils sont vers New York, là-bas, et lui, il est en Californie. Je ne sais pas si vous avez peut-être de la... Une carte des États-Unis en tête, mais moi je suis aux États-Unis, voilà, New York c'est là et la Californie c'est là. C'est vraiment aux opposés, donc ces gens-là ne se rencontrent en fait, ne se rencontrent pas, n'ont pas de raison de se croiser. Donc les gens de la Aircraft Company de Hughes là et puis les gens et puis les autres. Alors petite remarque, ils existent encore, hein, selon là Howard Hughes, il est mort depuis longtemps, mais sa compagnie marche encore, et ils font plein de trucs, hein, c'est eux qui notamment ont construit la sonde Galileo, qui allait prendre des photos dans le système solaire, qui ont construit cette sonde ici lunaire, Surveyor, qui est allée se poser sur la Lune, et on dit souvent, on parle souvent de projets de la NASA, c'est pas des projets de la NASA, enfin c'est des projets de la NASA, oui c'est la NASA, mais c'est pas la NASA qui les construit, la NASA ils construisent pas grand chose, hein. La NASA comme l'armée demande à des contracteurs privés de faire des choses, et le premier contracteur privé, c'est Howard Hughes, sa compagnie, qui fabrique vraiment ces machins, qui les conçoit et qui les fait, qui les livre. Et alors, donc, dans les laboratoires de Hughes, le dernier personnage de notre histoire ici, c'est Theodore Mayman. Vous connaissez lui ? Vous avez déjà vu ce nom-là ? Non.
Donc en 1956, ce Theodor Mehmann rejoint la section de recherche de cette compagnie de luxe là, à Malibu. Bureau splendide, vue sur la plage, ils sont pas mal là. Ils ont de l'argent et ils font partie, ils en profitent aussi en partie pour ça. Alors ce qu'il arrive à faire en 1956, c'est déjà il compactifie le Maser à rubis. Avant c'était un truc de 2,5 tonnes, il en fait un truc de 2 kg. Alors ça, c'est vraiment le gros accomplissement pour la compagnie de Hughes, parce que ça, ils peuvent le vendre aux militaires, c'est pour ça que les militaires leur ont demandé de faire de la recherche, faire un truc pratique, ben voilà, c'est fait. Donc ils ont vraiment rempli leur objectif, et là ça leur donne un contact vraiment privilégié avec l'armée. Et du coup, Theodor Mehmann, c'est lui qui était à l'origine de ça, qui a fait ça. Il y a du coup une certaine notoriété dans la boîte, hein, et voilà, il a fait le truc, on a demandé c'est lui qui l'a fait, et du coup il en profite, il a un petit peu de liberté, et il dit bah, moi j'aimerais bien bosser sur le Maser optique, sur l'extension optique de ce qu'on vient de faire, l'extension optique de ce qu'on vient de faire là. Et on ne lui refuse pas, d'autant plus qu'effectivement on voit que ça pourra éventuellement avoir quelques applications intéressantes, que l'armée est prête à donner de l'argent, donc effectivement il se lance là-dedans. 1960, poum. Theodor Mehmann observe effectivement l'effet laser dans un cristal de rubis à une époque où personne ne l'a encore fait. Les gens sont probablement pas loin, mais voilà. Avec un cristal de rubis, c'est-à-dire un truc pour lequel Shalo avait dit non, ça ne marchera pas, sur une piste qui a été abandonnée par la plupart des autres personnes, il le fait tout seul, hein, et il le fait avec ça. C'est ça le laser en fait. Le premier laser, c'est ce qu'il a dans la main. C'est un truc, on n'y croit pas, quoi. Enfin, je regarde les équipements des autres labos, c'est des trucs monstrueux qui remplissent des pièces et tout ça. Non, voilà. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait un cristal de rubis qu'il a mis là-dedans. Il l'a entouré avec... Ça, c'est une lampe flash. Vous avez raison, c'est une lampe. Hein. C'est une lampe tout bête. Et la manière dont ça marche, c'est... Bon, on le voit un petit peu démonté ici. Hein, dans la lampe flash qui est ici, elle est hélicoïdale. Il y a une place, il y a un trou. Ça va là-dedans. Je vous fais ici le laser IKEA. Vous prenez la pièce A ici, vous allez faire la pièce B, je toque. Le flash qui est ici, quand le flash se met en route, bah, ça envoie tout un tas de lumière de manière très soudaine. Du coup, ça excite les atomes dans le cristal de rubis de manière très soudaine. Il y a tout d'un coup plein d'atomes de rubis qui sont excités. Et si on fait ça de manière assez soudaine, et bien effectivement, on a une aberration de population et ça peut servir d'amplificateur. La raison pour laquelle lui il est arrivé, les autres ne sont pas arrivés, c'est que lui il a vraiment pensé à prendre un truc vraiment super puissant, il n'a pas hésité. En fait, ça, Shaolo l'avait fait plus ou moins avec un barreau de rubis, mais il avait pris des lampes moins importantes que ça, et puis il avait pris des lampes continues, quoi. Il éclairait avec une lampe. Lui, il a pris un flash, d'un coup on apporte toute l'énergie, et puis effectivement ça suffit pour faire l'effet. Et donc il a vu effectivement le premier. L'effet laser. Ça donne un rayonnement qui est rouge. Et pour la petite histoire, en fait, c'est pas tout à fait lui qui l'a vu, il avait un assistant. Et donc quand ils ont produit ce dispositif-là, donc ils allumaient le flash, donc, et puis il y avait une tache rouge qui apparaissait. La tache rouge, en fait, elle apparaît même quand on n'a pas l'effet laser, c'est simplement ce qu'on appelle la phosphorescence du rubis. Quand on excite le rubis, bah, il émet de toute façon de la lumière par émission spontanée, donc ça va faire une lumière rouge. Et la lumière laser, en fait, ça va plutôt être... Dans le cas du dispositif qui est là, ça fait une tache en forme de fer à cheval, beaucoup plus brillante que le reste en fait. On a la tache rouge qui est due à la phosphorescence, et puis le laser fait une tache en forme de fer à cheval plus puissante. Et en fait, pour la plupart des gens, j'allais dire comme vous et moi, mais non, comme vous, pas comme moi, pour la plupart des gens, vous n'allez pas le voir ça. Parce que vous allez être aveuglé par le rayonnement rouge de la phosphorescence, et vous n'allez pas voir le fer à cheval rouge un peu plus puissant. Pour des gens comme moi, qui sont daltoniens, on a beaucoup moins de récepteurs au rouge, et en fait, du coup, ça va noyer un petit peu, on va moins voir la tache rouge de la phosphorescente, mais par contre, celle en fer à cheval qui est super puissante, ben, les quelques détecteurs rouges qu'on a dans l'œil, eh ben, ils vont nous permettre effectivement de la voir. Et l'assistant de Mehmann était effectivement daltonien, et lui, le premier truc qu'il a vu, c'est effectivement ce fer à cheval. En fait, techniquement, la première personne qui a vu l'effet laser, c'est pas lui, mais c'est son assistant avec ses yeux pourris. Donc voilà, Theodor Mehmann en 1960, construit le premier laser, le fait marcher. Et le truc vraiment qui va jouer aussi, c'est que, donc à partir de ce moment-là, évidemment, la compagnie dans laquelle il travaille va pouvoir montrer qu'ils ont réussi et tout ça.
Les gens ne vont pas le croire, en fait, tout simplement. Donc, ce qui se passe, c'est que... C'est suivant. C'est probablement mon avant-dernier transparent. Donc, ils vont essayer de publier ça. Alors, déjà, la publication est vraiment très laborieuse. La manière standard de publier un résultat, c'est d'écrire un article scientifique et de le soumettre à une publication avec dans ce qu'on appelle des référis, un comité de lecture, en fait, voilà, qui va examiner le papier. C'est ce que fait Théodore Meymann. Ça passe par les services compétents dans la société qui effectivement regardent les articles, regardent si ça va bien, s'il n'y a pas trop de secrets, tout ça. Mais bon, non, l'article est un article scientifique, top. Il l'envoie à la revue en juin 60. La revue, c'est le Physical Review Letters, qui est donc dirigé par Samuel Goudsmit. Goudsmit, c'est aussi un prix Nobel, absolument. Lui, il est connu pour avoir découvert le spin, sur le spin, en fait. Bon, et à cette époque, on sait ça, c'était bien avant. À cette époque-là, il est éditeur de Physical Review Letters, il refuse le papier. Et pourtant, c'est le papier du siècle, hein, vraiment. Donc, c'est vraiment une grosse erreur. Et alors, la raison pour laquelle il le refuse, il y en a deux. La première, c'est que déjà, il voit arriver un papier de Théodore Meymann, qu'il ne connaît absolument pas, d'une boîte qui s'appelle Hughes Aircraft Company, qu'il ne connaît pas non plus. Enfin, c'est des gens qui travaillent à l'autre bout des États-Unis, et c'est pas spécialement. Déjà, il n'a pas forcément trop d'impression. En plus, alors, quand je dis qu'il ne les connaît pas du tout, ce n'est pas tout à fait vrai, mais Meymann, il le connaît un petit peu, parce que en juin, Meymann avait déjà publié un article qui s'appelait comme ça, dans lequel il ne disait pas qu'il avait réussi un laser, mais il donnait voilà, des caractéristiques possibles, pourquoi faire ça dans le Ruby, et tout ça. Donc il avait publié un article qui avait été accepté à cette époque-là. Et à l'époque, des articles sur les masers, il y en avait vraiment pas mal, et la revue commençait à être inondée de gens qui voulaient publier des trucs sur les masers. Et donc la politique éditoriale, c'était, bon, on va calmer le jeu. Maintenant, les gens ne publient que s'ils ont un truc vraiment extrêmement nouveau du point de vue de la physique. Savoir que vous avez fait un maser vert et vous un bleu marine avec des points rouges, c'est pas ça qui m'intéresse. Dans la revue, on veut vraiment des processus physiques nouveaux ou des discussions physiques. Et quand on regarde le titre de l'article qui est ici, qui avait été publié par Meymann, et le titre proposé pour la découverte du laser, en fait, c'est les mêmes titres, quoi, quasiment. Et Goudsmit, il a vu ça, il s'est dit, non, mais ça, il y a le gars, il essaie de refourguer son papier à l'avant, on y a changé 2-3 trucs. Et en plus, le laser, c'est bon, j'ai dit, il avait fait un éditorial de Smith avant pour dire que c'est fini, on n'en parlait plus, sauf si vraiment il y avait un truc nouveau. En fait, probablement, il n'a même pas lu le papier. Il n'a même pas lu, il n'a même pas envoyé au comité de lecture. Directement, il a dit non. Voilà. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une photocopie ce qu'il disait de photocopie à l'époque, de l'éditorial dans lequel il disait « j'en ai marre des papiers sur les masers », il a mis un post-it, il a agrafé, puis il a renvoyé ça à Théodore Meymann, voilà. Bon. Bon, du coup, le papier revient à Meymann, ils vont essayer de le publier ailleurs, ça va mettre un petit peu de temps pour différentes raisons, et en fait, ça va être assez long à se diffuser cet article scientifique, et le papier qui affirme, qui montre que Théodore Meymann a effectivement réalisé l'effet laser. Ce qui va se passer en pratique, c'est que les gens des milieux scientifiques vont avoir vent de ça, non pas par l'article scientifique, mais par la presse, par les revues de presse, etc. Évidemment, la compagnie va vouloir faire de la pub avec ça. On a observé un nouveau truc, nouvel effet laser, etc. Les gens voient dans les journaux un effet laser a été observé à Malibu, tout ça. Towns, il n'y croit pas. Shallow, il n'y croit pas. Mais c'est bon, ok, il a vu un truc, mais c'est pas possible. En plus, Shallow, le rubis, j'ai essayé, ça ne marche pas, quoi. C'est pas possible. Je peux vous dire théoriquement que ça ne marche pas. Ce qui marche quand même en faveur de Théodore Meymann, c'est que ça, c'est super facile à faire, en fait. C'est pas un énorme dispositif compliqué, tout ça. Il donne en plus, si Meymann, les gens qui sont venus lui rendre visite quand même pour voir comment il avait fait ça, il dit volontiers la recette. Hein, voilà. Cristal de rubis avec quelle propriété, top. Un flash, et ça, de toute façon, les gens l'avaient vu dans les communiqués de presse et les articles qui avaient été publiés, les articles de pub, en fait. Hein. La photo qui est là, elle était publiée partout. Hein. Donc, tout le monde avait vu ça, tout le monde avait reconnu ici une lampe flash. Il disait que c'était un barreau de rubis, ben, voilà, tout le monde avait compris le truc, en fait. Donc, en quelques semaines, dans plusieurs labos au monde, les gens ont refait l'expérience et ont vu qu'effectivement, ça marchait. Lui, il n'y avait pas de miroir. Alors, merci, bonne question. Alors en fait, il y a des miroirs, plus précisément, il a poli de façon très fine les deux faces du barreau et c'est ça qui se comporte comme des miroirs. L'onde se réfléchit sur les deux faces du rubis. Et monsieur, oui. Et on voit quand même bien un rayon lumineux d'un côté, ça part. Ah, d'accord.
Alors effectivement, ici, quand on parle de laser, on peut parler de deux choses en même temps. Donc pour l'instant, ce que je vous ai dit, c'était un oscillateur, on envoie une onde, puis ça ressort plus gros. Mais il se trouve qu'en fait, cet oscillateur, un oscillateur qui a un gain suffisamment important, ça peut servir comme une source. C'est-à-dire que si vous prenez un laser, là, vous prenez le milieu actif avec dedans tous les atomes dans l'état excité, le truc prêt à péter, quoi. Vous allez envoyer une onde, puis ça va repartir, d'accord ? Il est prêt. Mais en fait, même si vous n'envoyez pas d'onde, au bout d'un moment, il y en a un qui va craquer, un des atomes, puis qui va émettre par émission spontanée. Ben là, c'est bon, c'est mort. Le photon qui a été émis par émission spontanée va en cascade en déclencher d'autres, et il y a une onde dedans qui va se construire, qui va s'amplifier et qui va sortir. Donc en fait, à cause de ce déclenchement comme ça par émission spontanée, ce dispositif sert aussi de source. Et c'est ça qu'il a fait lui, en fait. Ce n'était pas un amplificateur, lui, c'était vraiment une source qu'il a fait. Donc ce qu'il a fait, ce qu'il a trouvé en fait en pratique, hein, c'est qu'il il allume le flash qui est ici, paf, il attend, et il voit de la lumière rouge qui sort du dispositif, même après que le flash se soit éteint. Et cette lumière rouge persiste un petit peu. Alors, je m'arrête ici, j'ai juste deux ou trois transparents pour vous dire des choses sur lesquelles vous pouvez chercher si ça vous intéresse. L'histoire du brevet de laser va conduire à une guerre, commerciale, qui va durer une trentaine d'années, entre les protagonistes. Hein. Vous avez les gens de Hughes Laboratory, là, qui... eux, ils prétendent que c'est eux qui ont inventé le laser parce que c'est lui-même qui l'a construit. Gould, il dit que c'est lui qui l'a inventé parce qu'il a un papier sur lequel il avait marqué la date et il avait fait signer par quelqu'un comme quoi il avait fait le schéma du premier laser, ce qui est vrai. Et donc, il y a tout un tas de gens qui vont prétendre ou dire qu'ils sont l'inventeur du laser. Gould, il va vraiment s'accrocher. Je vous ai dit, Gould, lui, c'est vraiment un inventeur dans l'âme. Lui, ce qu'il veut, c'est être riche et célèbre. Il lâche pas le morceau. Hein. Lui, il veut être reconnu comme l'inventeur du laser. Il va y dépenser une partie de sa fortune, il va mettre pas mal de sous de sa poche, et il va gagner, en fait. Gagner, là, ça ne veut pas dire juste être content, parce qu'il va gagner 30 ans plus tard, hein, donc dans les années 80. Dans les années 80, le laser, il y en a partout. Et donc, gagner les droits du laser en 1980, c'est des centaines de millions de dollars. Donc d'un coup, la vie c'est un petit peu éclaircie pour Gould. Alors, une remarque que je voulais faire sur l'histoire des sciences ici. Donc ce que je vous ai raconté ici, hein, vous avez remarqué, c'est un peu différent de ce que je vous ai présenté avant. Bah, ce n'est pas la même époque, mais du coup, ce n'est pas non plus les mêmes méthodes. Il y a des choses qu'on peut faire en histoire des sciences qu'on ne peut pas faire quand on étudie Descartes ou Newton. Bah, c'est que les protagonistes, on peut leur poser des questions. Ils ne sont pas tous morts, enfin pas forcément. Si vous avez, je ne sais pas si vous avez regardé les dates des gens, là, il y en a plein qui sont morts entre 1990 et maintenant. Quoi. Donc les gens qui faisaient l'histoire des sciences, qui étudiaient l'histoire du laser dans les années 90, vous pouvez prendre leur micro et interviewer Mayman, interviewer Towns, Shallow. On pourrait croire que ça rend la tâche plus aisée, mais en fait non. C'est encore plus dur. Parce que vous allez interviewer quelqu'un sur ce qu'il a fait il y a 20 ans, déjà il ne se souvient peut-être pas de tout, sa mémoire va déformer des trucs, et puis lui, il a son point de vue à lui, hein. c'est très subjectif. Le gars, il va plutôt mettre en avant, même de façon inconsciente, les points positifs, mettre de côté ses échecs. Donc c'est pas forcément le moyen le plus... c'est pas parce qu'on a accès aux gens eux-mêmes qu'on peut effectivement qu'on a un point de vue plus objectif sur tout ça. Et sur le lien qui est ici, là, ce qui est assez intéressant, donc ça c'est un lien qui décrit très brièvement l'histoire du laser, mais ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des petits clips audio, vous pouvez cliquer, vous entendez la voix de Towns, de Chabot, de Mayman, qui vous raconte un petit peu, juste un petit épisode, souvent ça dure 30 secondes, mais voilà comment j'ai pensé au laser. Voici un exemple de ce qu'on peut trouver sur la page web mentionnée. My lab was right next door to a lab occupied by one of Robbie's students, or some of Robbie's students, and in fact there was a whole block of rooms occupied by Robbie's students, and this one of Towns was at the end of them. And Robbie would come around once in a while, and of course I was much intimidated by the great man, Nobel Prize winner and all that. But he went off to Japan for a month, and he came around, he stuck his head in my door and said, "Well, what have you discovered?" And that's really struck me. I never thought that I could discover anything, you know, might do something, but to discover something, it just sort of helped to raise your standards and raise your sights and say, let's see if I can't pick out what's important to do and not just do something.
C'est, je trouve ça assez émouvant d'entendre la voix de ces gens. Voilà. Et alors, pour vraiment terminer, j'essaye dans la mesure du possible de vous montrer des articles d'histoire des sciences faits par des historiens des sciences, mais je ne veux pas non plus vous faire croire que c'est forcément très aride. Voilà, il y a des choses vraiment très, très chouettes à lire, très plaisantes. Donc ça, le bouquin, c'est ça, ça s'appelle BIM, The Race to Make the Laser. C'est Jeff Escht qui fait ça, donc il y a quelqu'un qui connaît très bien l'optique. Ce gars-là, pour écrire ce bouquin, est allé interviewer tous les gens dont j'ai parlé. Hein. Il est vraiment été les voir plusieurs fois, il les connaissait bien. Et ça donne des ouvrages qui sont vraiment extrêmement vivants, quoi. Enfin, voilà, ça vous raconte l'histoire des gens, leur vie à côté, pourquoi est-ce qu'à tel moment ils ont pensé à ça, pourquoi est-ce qu'ils étaient plutôt en forme ou pas, parce qu'il y a des problèmes dans leur vie ou je sais pas quoi. Voilà, ça vous montre un petit peu un tout et ça donne des biographies qui sont assez vivantes. Et ça, je vous invite vraiment à y jeter un œil. C'est un bouquin qui est encore accessible. Je peux éventuellement prêter celui-là si ça intéresse quelqu'un. Et ça s'achète, ça va coûter 20 euros, enfin 20 dollars. C'est pas hors de prix. Donc des bouquins comme ça, vous en avez dans pas mal de domaines. Donc j'essaierai aussi ça de vous faire une sélection à un moment donné pour les autres choses dont je vous ai parlé. Du coup, je m'arrête ici. Sur le laser, il y aura plein de trucs à dire après 1960. Hein. Là, c'est le début de l'histoire, en fait, hein, l'invention. Après le développement, l'utilisation dans tout un tas de dispositifs, ça demanderait encore ça et éventuellement des autres. Voilà. Je m'arrête là et on se voit pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines.